en gromologie qui va nous expliquer certains mots. Monsieur Ramazani, bonjour. Bonjour, mon frère. Je commence tout de suite. Qu'est-ce qu'un mammifère? Un mammifère, c'est un animal qui mammifère. Un exemple, s'il vous plaît. La rouille. Deuxième question, monsieur. Voilà, je suis là. Qu'est-ce qu'un vivipare? Un vivipare, c'est un animal qui vit à part. Exemple, monsieur. Satan. Parce que. Il vit à part. Satan n'a pas camarade. Toi, tu es enfant de Satan? Non. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'un invertébré? Un invertébré, c'est un animal qui n'a pas de os. Ouais, ça aussi, je savais. Exemple. Ah, maman. Hein. Maman n'a pas de os. Merci. Qu'est-ce qu'un gaz? Un gaz, ça dépend. C'est un mot qui s'emploie dans tes contextes. Premier contexte. Premier contexte. Tu as diarrhée. Tu es pressé, tu s'en vas au WC. Oui. Quand tu ouvres WC, premier vent qui te frappe, c'est gaz. C'est quel gaz? C'est gaz évaporatoire. Ah, parce que ça s'évapore. S'évapore. Deuxième contexte. Deuxième contexte. Un volet, il a volé. Oui. Tout le monde est derrière lui. Policier court derrière lui. On dit olé, attrapez, olé, volé, attrapez, il casse. C'est quand il fait, il casse. Ça, c'est un gaz échappatoire. Parce qu'il s'enfuit. Il s'échappe. Tout à fait. Monsieur, vous avez même étudié la géographie. J'ai fait la géographie. Donc, que veut dire France? Oui, tu sais, la géographie, j'ai fait la géographie. C'est-à-dire, on était d'avion, on a vu la géographie de l'homme, mais je ne suis pas arrivé à la géographie. Ah, d'accord. Voilà. Mais que veut dire France? France, que... ça veut dire quoi? C'est force de rapatriement des Africains non connus par l'Europe. Doucement. C'est force de rapatriement. Des Africains non connus par l'Europe. F. Force. R. Rapatriement. A. Africains. N. Non. C. Connu. E. Europe. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'une soupière? Une soupière, c'est quelque chose que tu peux mettre tout ce que tu manges que tu veux dedans. Tu peux mettre Djongoli, tu peux mettre Akassi, mm-hmm. tu peux mettre Abobo, mm-hmm. tu peux mettre Kong, en tu fait, peux mettre Dogounou, tout ce que tu veux dedans. Tout quanti. Voilà. Bon, exemple. Ton ventre qui est là, c'est un soupière. Oh, mais ça va pas. Voilà. Qu'est-ce qu'un miroir? Un miroir, c'est un objet que tu peux te voir dedans. Oui, naturellement. Oui. Exemple. La photo. Photo. Oui, photo. Il y a une photo, photo de. Bonsoir à tout le monde. Je n'ai pas parlé. Quand tu prends ton photo, tu ne te vois pas dedans. C'est bon, c'est bon. Alors. Quand deux verbes se suivent. Mais c'est quoi, c'est mis à l'infinitif. Exemple. La poule ici, son poussin. Où est le verbe? Mais tu vas pas qu'ici. Toi, comme il faut imaginer qu'ici, son camarade. On dit la poule ici, son poussin, poussin devant la poule ici. Donc, bien, c'est ici, le second, mettez à l'infinitif. Je ne dis plus rien. Monsieur, vous avez trouvé des solutions. Voilà. Et parmi ces solutions, vous avez trouvé une solution pour. Les personnes qui tombent souvent malades et qui meurent de coups de maladie. Voilà, il a trouvé une solution pour les gens qui meurent de coups de maladie. Parce qu'il a vu que les gens, ils ont foutesse. Mmh. Voilà, ils ont foutesse. Quelqu'un qui a mal dans les yeux, vous lui piquez dans les fesses. Tant médicament, il va prendre pour monter dans les yeux, mais il va casser, il peut mourir. Quelqu'un qui a mal dans les dents, vous piquez dans les fesses. Tant médicament, il va prendre pour monter pour arriver dans son temps, mais son temps, il va pourrir. C'est pour ça que moi, j'ai dit quoi? Mmh. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui a mal dans les yeux, piquez dans les yeux. Directement. Qui a mal dans les dents, piquez dans les dents. Directement. Ça guérison instantanée. 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 Bon, avant, dernière question. Voilà. Qu'est-ce qu'un objet transparent? Un objet transparent, c'est un objet à travers lequel tu vois de l'autre côté. Exemple. Grillage. Attends, grillage, c'est carrelé. Comment c'est transparent? Mais quand tu es ici et puis on met grillage devant toi, c'est tu vois pas la maison qui est là-bas. C'est bon, je me tais. Alors. Vous avez fait le tour du monde. On a fait le tour du monde. En 8 jours. Voilà, comme moi, là. Hé, vous avez même enseigné l'anglais en Amérique. Mais j'ai enseigné l'anglais en Amérique. Pendant 8 heures. Pendant 8 heures. Donc, moi, je suis étonné. Voilà. Donc, je vais vous poser certaines questions. Il n'y a pas de problème. 1 en anglais. 1. 2 en anglais. 2. 5 en anglais. 5. 10 en anglais. 10. 20. 10, 10. 30. 10, 10, 10. 50. 10, 10, 10, 10, 10. Et 1000 alors. Bon, c'était le petit truc du jour. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous prie de juste m'accorder une petite minute. Je vois des gens qui m'ont déjà salué. Coco de Laco, Mouka. Ah non, Nikoda, salut. Mouka, ça veut dire salut. Hein? Ça, c'est en langue dièse. Bon, moi, je suis un dièse, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, je suis un dièse. Cette ethnie n'est pas connue en Côte d'Ivoire. Beaucoup ne connaissent pas cette ethnie, mais bon. Voilà, si vous me voyez, le jour où vous attendez parler des dièses, dites-vous que, ah, gars, yeah, complet, c'est un dièse. Voilà. Voilà, je suis un dièse. Don Giovanni, lui aussi, il est dièse. Il est Dida dièse. Moi, je suis dièse BT. Voilà, donc, ceux qui ne connaissent pas l'ethnie qui s'appelle l'ethnie dièse, hein, c'est nous. Nous vivons à Divo et souvent, bon, comme on n'est pas beaucoup connu, on est obligé de dire nous sommes des Dida. Voilà, comme ça, les gens vont savoir qui nous sommes, sinon que nous sommes des dièse. Donc, Mouka, ça veut dire salut. Dans notre langue. André Régnier. Bonsoir, monsieur André Régnier. Toto. Bonsoir, madame Toto.
Excusez-moi, Rachida Ogan. Bonsoir, ma soeur Rachida Ogan, depuis votre position. J'espère que ça va bien chez vous. Nous allons un peu parler de la CPI, on va parler de Laurent Gbagbo, on va parler d'Alassane Ouattara. Est-ce qu'ils ont réellement échoué? La question reste posée. Et si vous voyez la question que j'ai posée, suite à cette question, j'ai posé une autre question. Quel est le rôle des maires en Côte d'Ivoire? Voilà, on va parler de ça pour que les gens comprennent un peu. Parce que j'ai l'impression que nous accusons toujours les présidents, mais en réalité, les présidents, ils n'y sont pour rien. Ils ont quand même leur part de responsabilité, mais on ne peut pas mettre tout sur eux. Oui, on ne peut pas mettre tout sur eux. Donc, raison pour laquelle j'aimerais attirer l'attention du peuple et des Ivoiriens. On met tout sur les dirigeants. Mais à un moment donné, les maires, là, ils ont leur part de responsabilité. Dans le retard de la Côte d'Ivoire, ils ont leur part de responsabilité et on doit leur demander des comptes. On doit leur demander des comptes. Parce que c'est impossible et inadmissible, inconcevable. Oui, c'est une trahison envers la population. Et ils doivent nous rendre compte de leur mandat qu'ils font. Oh, Rachida, ça va aller, ça va aller. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, guerrier complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mordon. Appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures. Ou bien, voilà, vous pouvez aussi m'appeler plein droit. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la politique ivoirienne. C'est très important. Et peut-être, suite à ça, on va un peu parler de la CPI, de ce qui va se passer demain. Mais pour le moment, orientons-nous du côté du pays. Et j'ai posé une question. J'ai dit, est-ce que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ont-ils échoué? Parce que ces deux personnalités sont des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a été l'ex-président ivoirien. Et l'actuel président ivoirien s'appelle Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Et donc Son Excellence Monsieur Laurent Gbagbo, lui, il est en prison. Et on va parler un peu de ça. Mais est-ce que ces deux hommes politiques ont réellement échoué dans leur politique? Parce que nous, peuple ivoirien, nous, peuple africain, on a toujours tendance à accuser nos dirigeants. Mais en dehors de nos dirigeants, est-ce que d'autres personnes n'ont pas aussi des responsabilités pour l'évolution de notre pays? Je pense que oui, les maires en Côte d'Ivoire, ils ont leur part de responsabilité dans le développement de la Côte d'Ivoire. Mais que font les maires en Côte d'Ivoire? Je ne comprends rien. Ils ne valent rien. Voici des gens qui ne font rien. Ils ne travaillent pas. Mais on voit que, voilà, de jour en jour, après leur mandat, on voit qu'ils poussent des vents, leurs vents deviennent gros. Voilà, ils construisent des grosses maisons, des grandes villas. Tu les vois, voilà, leurs enfants fréquentent maintenant à l'extérieur, et puis leur vie change. Mais les communes et les villes où ils ont été des maires, ces villes et ces communes n'évoluent pas. Et ces gens-là, on voit toujours les agents de la mairie, ou bien des mairies, en Côte d'Ivoire, qui passent dans les rues, qui passent de porte à porte pour partager les tickets, où il y a des magasins. Par exemple, moi, j'ai été à Makori, mais les agents de la mairie de Makori, ils ne cessent de nous fatiguer, parce que moi-même, j'ai géré un magasin de machines qui fabriquaient les sachets, les machines qui fabriquent les sachets à Ouala. Voilà, une machine coûtait 2 500 000 et c'est ce que moi je vendais avec un Nigérian qui s'appelait Mike Choukous. Donc, lui, il a Makori, on a géré ces machines et on a géré aussi les machines qui pompent l'eau. Si tu es dans un immeuble, il faut brancher une machine pour pouvoir pomper l'eau pour aller dans l'immeuble. Voilà, il y avait, on vendait des machines de 2 chevaux, voilà, un cheval, 3 chevaux et tout ça. Donc, on vendait ces genres de machines. Mais les agents de la mairie ne cessaient de nous embêter à cause d'impôts. Non, la mairie dit, et ils nous partageaient des tickets. Même la maison à Abidjan, là où on habitait, ils demandaient à ma tante de payer la maison. La maison est pour nous.
appartient à ma tante. Mais les agents de la mairie, elles devraient payer les impôts de la maison. On donnait l'argent. Et cet argent partait dans les caisses. Hein? On dit les caisses de l'État. Mais en réalité, c'est le maire qui prend tout cet argent. Et le marché de Makori, grand marché de Makori, le maire et ses agents, c'est-à-dire les agents de la mairie de Makori, ils partaient partager des tickets au grand marché de Makori. Et quand ils ont fait l'évaluation en Côte d'Ivoire, ils ont dit le grand marché de Makori est le plus grand marché en Côte d'Ivoire. Tu vois, à Abidjan, qui connaît où il y a 1000 maquis là. Mais le maire et ses agents, ils partagent des tickets. Imaginons combien de vendeuses qui se trouvent dans ce marché. Il y a des milliers de vendeuses. Combien de vendeurs qui se trouvent dans ce marché? Il y a des milliers de vendeurs. En ça, on te met maintenant les magasins. Ils prennent cet argent. Et puis, ce n'est pas un petit truc. Ce n'est pas 100 francs, 100 francs qu'ils donnent. C'est des gens, ils payent 1000 francs, 2500, 3000. Ça dépend de la grandeur du magasin dans lequel tu es. Mais ils prennent tout cet argent-là. Mais ils font quoi? Ils font quoi avec cet argent? Sans compter le budget que le gouvernement donne à ses maires pour le développement de leur commune ou ville. Mais ils font rien. Ils font rien. Mais on ne peut pas toujours mettre les charges sur le président, ou bien sur le président que la Côte d'Ivoire gagne tout le temps. Gbagbo est passé. On a vu certains échecs, on a mis tout sur Gbagbo. Mais en réalité, je n'ai pas dit que le président n'a pas sa part de responsabilité. Mais on ne peut pas mettre tout sur Laurent Gbagbo parce que son gouvernement a exercé ce qu'il pouvait faire si rien n'a évolué. Si quelque chose a aussi évolué, mais l'échec, là, on doit aussi attribuer ça au maire parce qu'ils ont été élus aussi par une partie de la population dans le but de développer les villes et les communes dont ils sont les maires. Mais si ces gens-là, ils ont été élus par le peuple, et en retour, ils ne font rien pour développer ces communes. Ils ne font rien pour développer ces villes. Est-ce qu'on peut accuser le président de la République? Quel est le rôle du président de la République? Le président, lui, il est comme le guide suprême. Il est là. Maintenant, comme le président, il sait que lui seul, il ne peut pas développer le pays. Lui, il gère tout ce qui est l'argent. C'est lui qui décide comment l'argent doit être distribué, hein, dans le pays. Comment l'argent doit être partagé pour le développement de la Côte d'Ivoire. C'est le président qui amène un programme et c'est ce programme que tout le monde doit suivre. Maintenant, chaque maire qui doit être élu dans chaque ville, dans chaque commune, il ne suit pas le programme du président. Lui, il a son propre programme. Il a son propre programme parce que quand tu t'en vas battre campagne, tu ne dois pas prendre le programme du président de la République pour battre campagne. Sinon, qui le peuple va voter? Donc, chaque candidat qui doit devenir maire ou député doit envoyer son propre programme. Quel plan il a pour le peuple? Donc il demande de le voter. Il a quel programme pour ce peuple? Et c'est lui, à lui d'exposer son programme. S'il a séduit que le peuple est tombé amoureux de ce programme, le peuple va voter ce dernier. Mais en retour, qu'est-ce qu'il fait pour le peuple? Tu ne peux pas passer ton temps à prendre l'argent de trucs, des magasins qui sont dans cette ville ou bien dans cette commune. Tu prends, tu envoies les agents, les gars de flocons là, pour emmerder les gens. À longueur de journée, ils te donnent l'argent, tu taxes la maison des gens, tu taxes les femmes qui font leur petit commerce, tu prends leur argent et en retour, tu ne fais rien. Les communes sont remplies des eaux usées. Les voies sont dégradées, rien n'évolue. Tout est pourri là-bas. Et on dit, le président, non, ce n'est pas le président, c'est le maire. Adressez-vous au maire. Et moi, je pense que ces maires-là, on devrait les limoger. On devrait les chasser carrément. Ils ne devraient même pas terminer leur mandat et on devrait les poursuivre. Ils devraient rendre compte à l'État. Pourquoi aussi, je comprends, pourquoi on accuse toujours le président? Parce qu'ils n'ont pas mis des règles sur place pour pouvoir traquer ces maires incompétents, ces maires voyous, ces maires voleurs qui mentent à la population, qui prennent l'argent de l'État, qui prennent l'argent des tickets, qui emmerdent nos parents et à longueur de journée en leur délivrant des tickets au nom de la mairie et en retour l'argent de ces tickets, ils ne font rien avec. Il fallait traquer ces maires, les pousser non seulement pendant 2 ans, si rien ne change dans la commune ou dans la ville, on devrait les interpeller pour dire, ah, vous avez été maire, le président, le budget du gouvernement, ça a été tant.
On ne sait pas combien de milliards on leur a donné, ou bien si c'est 500 millions qu'on leur donne, ou bien 1 milliard par mère, ou bien 500 millions par mère. Maintenant, en dehors de ces 500 millions, on sait que le maire aussi il va gagner de l'argent par rapport vis-à-vis des commerçants qui commercent dans la ville ou dans la commune. Donc, cet argent qu'ils vont gagner encore, en dehors des 500 millions que le gouvernement a donné, plus l'autre argent qu'ils vont gagner, hein, envers les commerçants et les commerçantes, ça peut encore augmenter le budget de l'État. Donc, au total, ça va leur faire 1 milliard. Mais là, 1 milliard là-haut, tu as investi où? Tu as fait quoi dans la ville? Tu as fait quoi dans la commune? Montre-nous tes projets. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es devenu maire? Qu'est-ce que tu as fait? Si tu n'as rien fait, 1 à 2 ans, mon frère, on ne peut pas cautionner ça. Tu ne peux pas taxer des gens avec des tickets. Prends leur argent, le gouvernement va te donner l'argent. Tu ne fous rien, tu mets l'argent dans ta poche, tu construis des maisons, tu payes des voitures de luxe, tu envoies tes enfants à l'étranger et vers la fin, le peuple accuse le gouvernement. Les gens se révoltent parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de travail. Leur ville pue, ils vont s'attaquer, ils vont s'apprendre au président de la République. Je dis non, à un moment donné, il faut surveiller ces maires parce qu'ils sont des vendeurs d'illusions. En Europe, ici, on joue pas les mains. Tu ne fous rien, mais on te chasse. On te poursuit à cause de la corruption. Et tu mérites la condamnation. Vous comprenez? Et donc, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a encore du boulot à faire. Il faut mettre ça dans la constitution ivoirienne. C'est-à-dire, si un maire, on l'élue, et puis il est là pendant 1 à 2 ans, rien n'évolue, rien ne change dans la commune ou dans la ville, on doit poursuivre ce dernier. Il doit rendre compte à l'État, au gouvernement. Ça fait combien d'années il prend l'argent avec les vendeurs et vendeuses de sa ville ou de sa commune? Il a gagné combien d'argent? Et cet argent est parti où? Il doit faire les comptes. Si on voit qu'il ouais, y a eu détournement d'argent vis-à-vis des pauvres citoyens et qu'il n'a rien foutu, mais ce maire, non seulement son compte bancaire sera bloqué, en dehors de ça, il doit aller en prison. Et le second, si on les sanctionne comme ça, je vous dis, chaque mec qui va venir, même s'il doit détourner, mais il doit tout faire pour changer quelque chose dans la commune ou bien dans sa ville dont il est maire. Mais si on les regarde et s'ils pensent que tout est permis parce qu'ils ont été élus par le peuple, donc ils font n'importe comment, je dis non, rien ne va évoluer en Côte d'Ivoire. À Bobo là-haut, regardez à Bobo. Regardez à Bobo, vous-même regardez à Bobo. À Bobo, l'insalubrité totale, cette commune. Oh, c'est une grande commune. Ça y est, dans la capitale, quand on parle d'Abidjan, mais y compris à Bobo, qu'on dit, et puis on montre, qu'on dit, on montre quoi là? Plateau, on montre Macori zone, zone 4, Biétri, zone 3, on montre Macori résidentiel, souvent même on montre Ramblais. Mais en dehors de ça, et à Bobo, à Djamé, ce ne sont pas des communes, mais ces communes ont des maires. Mais allez-y même, les voies principales même d'Abobo et de Djamel, allez-y là-bas, mais c'est la merde. Allez-y même, à Koumassi, c'est la merde. Mais oh, pourtant, il y a des milliers de commerçants dans ces communes-là. Et ces maires, ils envoient leurs garde-flocons. Quand je dis garde-flocons, ce sont les agents de la mairie là, qui envoient, qui ont des petits trucs, je ne sais pas, des petits carnets de notes là, qui délivrent des tickets aux gens, qui prennent. Et quand tu n'es pas truc, c'est eux-mêmes qui ferment magasin des gens. Quand il s'agit de fermer magasin des gens, ils ne plaisantent pas. Mais quand il s'agit de travailler pour la commune, non, là, ils disparaissent. À un moment donné, il faut mettre fin à ça. Il faut demander à ces maires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour changer ces communes? Ils ne changent pas, ça fait depuis 1908. Ces gens-là, il y a toujours des maires. On leur donne de l'argent pour le changement des endroits où ils ont été élus. Mais ils ne font rien. Rien ne progresse et ça me fait mal. Quand je vois ça, je dis, mais on est dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? En Europe, ici, ils ne jouent pas. Tu aimais 1 à 2 ans, rien ne change là, mon frère. Tu vas rendre compte au gouvernement. Ils vont commencer à mener des enquêtes. Ils vont mettre la police ou quoi là, derrière toi, pour mener des enquêtes. Où est-ce que tu amènes l'argent? Et puis, pouf, ça va péter un jour. On dit non, tu es suspendu. La justice a un problème avec toi. On te suspend parce que tu n'as rien foutu et la justice va te traquer. On doit bloquer d'abord ton compte. On doit te mettre en garde à vue. Et tu dois rendre compte à l'État. Est-ce que vous comprenez? Mais en Côte d'Ivoire, les gens ne font pas cela. Et voilà pourquoi on dit toujours le gouvernement a échoué. Le gouvernement, mais ce ne sont pas nos gouvernements qui échouent.
Ce sont nos maires qui sont incompétents, incapables. La corruption va les tuer. C'est-à-dire la corruption est rentrée dans leur gène, dans leur cerveau. Quand ils respirent la corruption. Quand ils pensent à la corruption. Ils savent chier, ils chient la corruption. Ils mangent la corruption. Mais comment est-ce que ces gens-là, ils peuvent aider notre pays? Parce que ces maires, ils représentent les présidents des villes et des communes. Comme Abidjan est une grande ville. Voilà pourquoi Abidjan était partagé en commune. Et donc, Abidjan, en tant que grande ville et capitale de la Côte d'Ivoire, compose au moins 11 communes. Et ces 11 communes, chaque commune a un maire. Donc, ces maires-là, c'est à eux de relever la dignité et la valeur de la commune. Ce n'est pas à la salle. Ce n'est pas à Gbagbo, ce n'est pas à Bédier de venir encore construire à Bobo, construire Makori, construire Kumasi, construire Tricotresseville, construire Jacques. C'est moi qui veux parler. Ce n'est pas à eux. Eux là, chaque année là, ils prennent une somme. Ils disent, bon, voilà, il y a combien de mairies en Côte d'Ivoire? Ils savent, ils connaissent le nombre de mairies de Côte d'Ivoire. Donc, ils partagent le budget des maires. Et il leur donne l'argent. Ah, voilà ta part à toi de faire le reste. Puisque les projets du président ne sont pas les mêmes projets que chaque maire de la Côte d'Ivoire. Chaque maire a ses projets. Donc, si eux, ils ont des projets de vol, mais qui dit ça au peuple? Parce que vous ne pouvez pas venir mentir au peuple pour dire vous avez tel projet pour le bien-être de la ville ou de la commune. Une fois là, vous ne faites pas ça, vous passez votre temps à voler. À un moment donné, arrêtez ça. Arrêtez le vol et vous allez voir la Côte d'Ivoire va émerger. Pour construire aussi une école, on a besoin de Ouattara. Pour construire une école, on a besoin de Gbagbo. Mais quelles sont ces bêtises là? Mais le maire, l'argent qu'on lui donne, il ne peut pas construire des écoles dans sa commune ou bien dans sa ville. Ça aussi là, c'est un problème. C'est le président là qui va quitter encore là-bas pour venir construire l'école. Or, pourtant, vous savez que dans vos villes et communes, il y a des enfants qui ne partent pas à l'école parce qu'il y a manque de place. Les écoles ne suffisent pas. Vous avez l'argent. Vous prenez l'argent des tickets hein, auxquels vous délivrez aux pauvres vendeuses de la Côte d'Ivoire, aux pauvres vendeurs de la Côte d'Ivoire qui vendent dans vos villes et communes. Vous prenez l'argent. Vous demandez aux gens de payer les impôts de leur propre maison qu'ils ont souffert pour construire. Et vous prenez cet argent. L'argent des marchés. Parce que dans chaque ville, dans chaque commune, il y a des grands marchés, des petits marchés. Vous prenez l'argent de tout ça, mais vous ne foutez rien. Vous ne valez rien. Et vous allez dire, non, on ne paye pas impôts. Les gens, ils payent impôts là. Ce sont ceux qui sont c'est ceux qui ont les entreprises qui payent les impôts. Hein, vis-à-vis de l'État ivoirien. Mais ceux qui commercent, qui font le commerce, qui sont dans les marchés, leur argent là, ce n'est pas le président qui prend, ce sont les maires qui prennent cet argent. Ce sont les maires. Et ceux-là, ils payent. Quand ils payent, on appelle ça impôt aussi. C'est ça, on appelle impôt aussi. Mais ces impôts sont payés dans les mairies. Et ces maires-là, ils font quoi ces impôts? Ils bouffent l'argent. Ils font rien. Et puis non seulement ils n'embauchent pas la jeunesse, ils bouffent l'argent de ces pauvres personnes et puis ils sont là et puis rien n'évolue. Ils habitent même pas dans ces villes ou bien dans ces communes et puis bon, ils ne savent même pas dans quel état ces villes sont dans, et les communes sont. Les gens fréquentent, les gens ne fréquentent pas, les gens ont fait, les gens n'ont pas fait, eux ils s'en foutent. Ils sont couchés quelque part, ils envoient les gardes flocons, c'est-à-dire les agents de la mairie et allez-y, encaissez l'argent. Tout ce qui se passe dans la tête, c'est l'argent. Mais quand on leur demande de développer leur vie, non, ils font rien. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'ai la rage quand je vois les pays européens, même les villages sont mieux développés, même que certaines capitales de l'Afrique. Ah mais oui, si je sors ici pour vous montrer le village dans lequel j'habite, vous allez apprécier, vous allez penser que c'est Abidjan. Vous allez penser que c'est plateau, c'est tellement clair, c'est tellement propre. Que vous êtes, oh pourtant c'est un village. En plus de fort raison, dans la capitale, on parle d'une commune qui habite au moins des millions de personnes. Et pour ces communes, il n'y a personne pour construire ces communes, il n'y a personne pour développer ces communes. Et ça fait mal. Oui, ils deviennent des opérateurs économiques. Il n'y a même pas des hôpitaux. Allez-y à Gagnoua. Allez-y à faire que c'est du coup au loin là-bas. Allez-y à Odieleka là-bas.
Allez-y à l'ouest, il y a certaines villes, il n'y a même pas d'hôpitaux dans ces villes-là. Il n'y a rien, même les écoles manquent, les collèges manquent, les lycées manquent. Oh putain, il y a des maires. Mais ces maires-là encore, c'est Ouattara qui doit vous demander d'aller construire école. C'est Ouattara qui doit encore vous obliger de construire hôpital. C'est Gbagbo encore qui doit quitter la CPI pour vous demander d'aller construire. Mais comment sont ces gens-là? C'est Bedi encore qui doit se lever là où il est pour dire allez-y, vous êtes maire pourquoi? Ou bien Oufoué Boigny doit se réveiller dans sa tombe pour vous demander d'aller construire. Mais vous avez battu campagne pour faire quoi? Ou bien pour ne pas que les mairies soient vides, donc vous êtes là, vous êtes devenus des gardes-mairies. Non, et si c'est ça le cas, mais quittez là-dedans. Parce qu'on veut des travailleurs, nous ne voulons pas des plaisantins en Côte d'Ivoire. On veut des gens qui travaillent, des gens qui bossent. Ça me fait mal. Allez-y à Divo. Il n'y a qu'un petit hôpital. Et cet hôpital n'est même pas équipé. Mais le maire de Divo, là, il pouvait aussi prendre le temps pour dire, bon, est-ce l'hôpital dans une grande ville comme Divo, ça ne suffit pas. Moi, tant que maire, je vais construire un second hôpital. Est-ce que c'est Ouattara qui doit quitter là-bas pour dire au maire de Divo, va construire un autre hôpital? C'est Gbagbo qui doit venir dire au maire de Divo, va. C'est Bédier ou Oufoué? Mais non, vous-même, vous êtes des grandes personnes. Faites ce que vous savez que telle chose manque dans vos villes, dans vos communes. Prenez l'audace et allez-y, faites ça là-bas. Puisque vous avez l'argent, vous encaissez l'argent des pauvres vendeuses d'aloco, de mami, de choukouya, d'abi, et j'en passe, de poissons. Les pauvres vendeurs qui font leur petit commerce, vous prenez leur argent. Mais où est-ce que vous amenez cet argent? L'État prend des millions pour vous donner. Où est-ce que vous amenez ces millions? Et l'argent qu'ils prennent envers ces pauvres-là, ce n'est pas. C'est chaque jour qu'ils prennent. Chaque jour, les agents de la mairie, ils passent pour prendre l'argent. Je dis chaque jour. Et par jour, ils gagnent des millions. Par mois, imaginons. D'ici, vendredi, l'année termine, ils vont avoir 10 milliards vis-à-vis de ces gens-là. Mais ils font quoi avec ces milliards? Ils deviennent des opérateurs économiques. Ils créent des sociétés fictives. Ce sont des gens maintenant, ils deviennent des hommes d'affaires. Tu vois leur ventre pousse, cravate, quelqu'un qui ne connaissait même pas cravate avant, maintenant il porte maintenant les cravates. Mais oui, il s'en va maintenant payer limousine où il n'avait jamais roulé. Des voitures même, il ne connaît même pas le prix. Il va payer 10 à 3 quand il m'a mené une vraie caisse. Il va maintenant commander les voitures. Pendant ce temps, le peuple souffre. C'est tout cela qui aggrave la misère en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas nos dirigeants seulement. Même si nos dirigeants ont leur part de responsabilité, mais eux là, leur part de responsabilité, peut-être c'est 40%. Les 60% de la souffrance des Ivoiriens, ce sont les maires de Côte d'Ivoire. Ce sont les maires de Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui sont la base du mal auquel les Ivoiriens sont confrontés. Car 60% du mal de la Côte d'Ivoire, ce sont les maires, parce qu'ils ne valent rien. Ils sont comme les députés en Côte d'Ivoire. Ils sont couchés à l'Assemblée nationale, ils ne valent rien. Ils sont là-bas. Au lieu de parler des problèmes, eux, suggérer des vraies lois pour le bien-être du pays, non, ce sont des gens, ils sont là, ils discutent de leur salaire. Combien ils doivent gagner par mois? Combien le gouvernement doit leur donner par mois? Doit leur donner plutôt par mois? Et puis, mais vraiment, on est dans quel pays? À un moment donné, il faut mettre des lois sur place pour sanctionner ces incompétents, ces incapables. Oui! C'est truand, il faut les sanctionner sévèrement si on veut l'évolution, si on veut que le pays se développe. Mais il faut prendre des mesures draconiennes. On ne peut plus s'amuser avec des gens comme cela et puis le peuple. C'est-à-dire, tellement on a trop passé notre temps. Ou bien, oui, notre temps à accuser nos dirigeants. Ceux-là, ils se cachent. Et puis bon, ils font comme si rien n'était. Et puis on accuse toujours nos dirigeants. Mais en réalité, ce sont eux qui sont la base du retard de la Côte d'Ivoire. Ils sont la base du retard de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara. Ce n'est pas Gbagbo. Ce n'est pas Bédié. Ce n'est pas Oufoué. Ceux-là, ils sont la base du malheur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que si les lois ne sont pas aussi votées en Côte d'Ivoire, ils vont dire c'est Ouattara? Non. Ils vont dire c'est Gbagbo? Non. Ils vont dire c'est Bédié? Ils vont dire c'est Oufoué? Non. Mais c'est le travail des députés. Si ceux-là ils ne peuvent rien faire, ce n'est pas encore le président. Et vers la fin, ils vont faire un an sans même voter une petite loi.
Sans même, le monde évolue. Les problèmes aussi augmentent. Il faut trouver les solutions. Donc, quand le monde évolue, les problèmes augmentent, les lois aussi doivent augmenter. Il faut suggérer des nouvelles règles. Mais ils ne le font pas. Ils sont là-bas, ils discutent de leur salaire. Et ça, ils vont encore dire c'est le président. Ils vont dire c'est le président. Il faut prendre des nouvelles mesures. On ne peut pas toujours rester dans les anciennes règles, puisqu'il y a une nouvelle génération qui apparaît. Et cette génération n'a pas le même comportement que l'ancienne génération. Vous savez, les humains, ils se développent. Nous qui sommes là aujourd'hui, ceux qui vont naître demain, ils vont pas être comme nous. Ils vont avoir une capacité très développée que nous. Voilà pourquoi nous aussi, on a une capacité très développée par rapport à nos anciens grands-parents. Eux, ils avaient leur science qu'ils pratiquaient, ils avaient leur capacité. Mais aujourd'hui, le monde a évolué, on a une autre capacité. Et les enfants futurs qui vont venir, la deuxième génération, eux aussi, ils vont avoir une autre capacité. Et quand ils vont nous regarder, ils vont se moquer de nous. Ils vont dire, oh, ceux-là, ils n'étaient pas intelligents. Ils vont nous traiter d'ignares. Ils vont nous traiter d'illettrés. Pendant ce temps, nous, on se disait, nous sommes très instruits, nous sommes des personnes lettrées, mais eux, à leur tour, là, ils vont nous traiter d'illettrés. De la manière, quand on voyait nos anciens parents avec des habits à moukouba, ils portaient là, on dit, oh, mais ceux-là, ils ressemblaient à des gens, trucs, ils ne pouvaient même pas s'habiller, regardez. Voilà, ils étaient à l'état primitif et tout ça. On les regardait, on faisait truc. Aujourd'hui, est-ce que qui peut accepter de ressembler aux humains d'avant? Personne ne peut accepter. Parce que tu te dis, tu es dans une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, il faut courir avec ce temps. Maintenant, ceux qui vont naître demain, dans deuxième génération, ils ne vont pas vouloir nous ressembler. Parce qu'ils vont nous traiter de garous. Ils vont dire, nous sommes ignares, nous sommes illettrés. Et eux aussi, ils vont s'apprécier. Et c'est comme ça. De la manière, le temps évolue. Le monde évolue. Les humains aussi, ils évoluent. Donc, à chaque temps, il faut mettre des nouvelles mesures stupides pour pouvoir contrôler la société. Si tu n'arrives pas à contrôler ta société, mais ton pays sera toujours en retard. Parce que lui qui va naître aujourd'hui, il ne va pas avoir le même comportement que ses parents. Il va avoir autre comportement. Donc, pour encadrer et essayer de bien contrôler cette société, il faut mettre des nouvelles mesures sur pied chaque jour que Dieu fait. Que les années passent, les années avancent, il faut aussi avancer les mesures. C'est très important. Mais nos députés, ils ne valent rien. Ils ne font rien. Ils ne prennent aucune mesure. Ils sont là-bas. Ah, chaque... Soro Dieu m'a dit, tu as bouffé notre argent. Dieu Soro, je n'ai pas bouffé votre argent. Bon, il est trop fâché. Bon, je vais vous donner maintenant 2 500 000 par mois. Et les députés de Côte d'Ivoire, Soro a décidé que les salaires deviennent au moins 2 500 000 francs. Et ils sont contents. Oh, pourtant, depuis que l'année, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas pris une petite mesure qui va dans le... dans l'avantage du peuple. Ils n'ont rien fait. Les maires aussi, quand il s'agit des élections municipales, la municipalité, tu vas les voir. Oui, votez-moi, on les vote. Après, ces votes, ils font quoi? Ils ne font plus rien. Ils prennent l'argent chaque fin du mois, ils encaissent les pauvres vendeuses, les pauvres vendeurs dans les marchés, ils encaissent les magasins qui opèrent en bordure des rues, et puis ils prennent tout cet argent, ils ne valent rien, ils ne font rien, ils mettent ça dans leur poche, tu pars dans les différentes communes d'Abidjan, dans les différentes villes, les routes sont dégradées totalement. Il n'y a même pas de bitume, ça pue, les cycles au bois vont tuer les gens, mais ces cycles au bois là, ces mains là, ils peuvent trouver une stratégie, c'est-à-dire quoi? Construire des nouvelles petites maisons, même si c'est en train de coucher, ou bien 2 pièces. Pour aider la population à quitter dans ces cycles au bois là. Mais les maires, ils peuvent le faire. Ça, on appelle ça la politique sociale. On n'a pas besoin du président pour mettre une telle politique sur pied. Mais est-ce que vous n'êtes pas des... C'est le président qui doit réfléchir à vos places. Le président, il ne peut pas passer son temps à réfléchir à vos places. Mais dis donc, on est dans quel autre... quelle est cette mentalité africaine? Pourquoi les Africains sont si en retard? Mais ça me fait mal. Mais un jour viendra, je changerai d'Ivo. D'Ivo va être changé. Parce qu'il faudrait que chaque citoyen en Côte d'Ivoire ait au moins un petit toit. Et ce toit-là, ce n'est pas au président. Mais ce n'est pas au président de prendre ses mesures. Mais aussi les maires peuvent prendre ses mesures. Parce que le travail du maire, c'est aussi de mettre la pression sur le gouvernement pour dire, voilà, moi mon projet,
voilà, je veux faire tant, tant, j'ai besoin d'une telle somme. Et dis ça au gouvernement. Le gouvernement va évaluer les circonstances et la réalité, les réalités du terrain. Et le gouvernement va décaisser cet argent pour dire, tiens, tu veux faire ça, on veut voir. Et le gouvernement décaisse. Maintenant, toi, tu te mets au travail. Tu travailles pour ta ville. Quand les autres maires vont te voir, ils vont te tricher. Ça sera la concurrence. Parce que chaque maire va vouloir développer sa commune et sa ville. Et vous allez voir, la Côte d'Ivoire va devenir une nouvelle Côte d'Ivoire. Allez-y à San Pedro. Quand il pleut, mais qui peut habiter là? Les eaux envahissent les maisons. Oh, pourtant, il y a un maire à San Pedro. Et ce maire, il n'est pas capable de faire une politique sociale, c'est-à-dire reconstruire ces maisons qui sont envahies par l'eau pendant les saisons pluvieuses. Ce maire n'est pas capable de retracer les caniveaux de San Pedro. Une telle politique, ça manque au maire de San Pedro. Mais quels sont ces gens-là? Ça me fait tellement mal. Allez-y, à faire qu'est-ce que c'est du coup. Ce maire, il n'est même pas capable de transformer cette ville, de faire qu'est-ce que c'est du coup. Et il laisse les gens dormir dans les maisons à Banco. Quelles sont ses manières? Oh, pourtant, il est maire de là-bas. Il devrait construire des petits appartements pour donner aux habitants de là-bas pour dire, ah, mon frère, quitte ta maison à Papo là, viens habiter dans ça. Au moins, ça, c'est construit, ça a été construit à l'aide des briques. Pour mettre la population à l'aise. Mais vous faites une politique tordue et tout ça, là, on va mettre ça sur la tête du président. Parce qu'il est président. Non, je pense que l'erreur n'est pas du côté de Ouattara. Je pense que l'erreur n'est pas du côté de Gbagbo. Je pense que l'erreur n'est pas du côté de Bédier. L'erreur n'est pas aussi du côté de Félix Houphouët-Boigny. L'erreur vient des maires. Parce qu'ils reçoivent beaucoup d'argent pour le développement de ces villes et communes. Ils ne font rien. Les maires représentent les présidents. Ils sont comme les présidents des villes et des communes. Donc à eux de travailler. Ils ont des budgets, mes frères. Ils ont des budgets. On leur donne. Et puis, il y a un budget qui est voté chaque année et pour les maires, pour les mairies de Côte d'Ivoire. Ils ont un budget. Mais en dehors même, sans même budget, eux-mêmes, ils sont riches. Ils gagnent. Vous savez combien ils gagnent sur le dos du peuple. Allez-y à Makori. Le grand marché de Makori, ça fait combien de personnes qui vendent là-bas? Allez-y au grand marché de Makori. Combien de personnes qui vendent? Les 1000 maquis qui sont alignés là. Mais le maire de Makori, il prend l'argent des maquis. Hein? En dehors de ces maquis, prenez la ligne 11. Je dis bien la ligne 11, la grande mosquée de Makori. Prenez ça, allez-y jusqu'à au grand marché. Cette ligne est remplie de magasins, est remplie de maquis. Le maire, il encaisse. Et les maisons qui sont en bordure, il taxe ces maisons. C'est moi qui vous le dis parce que j'étais auprès de la grande mosquée de Makori. Quartier Marie-Corée, près de M. Niagabi Bernard. Si vous connaissez Niagabi Bernard, il a été ex-ministre de Félix Houphouët-Boigny. Son fils, Niagabi Benson, il travaille avec Mamadou Koulibaly, si vous ne savez pas. Donc allez-y là-bas. Cette rue-là est étoffée de magasins, est étoffée de boîtes de nuit, est étoffée de tout ce que vous pouvez imaginer. Et le maire de Makori, il passe son temps à taxer les gens. Ta propre maison, il te demande de payer impôts. Et l'impôt, là, ça va dans les caisses de la mairie. Mais cet argent-là, le maire, il prend ça pour faire quoi? À un moment donné, la ligne 11 était dégradée. Même le bus numéro 11, 11 barré comme 11 cercle, on ne pouvait plus passer parce que la voie était gâtée. Et le maire était incapable de régler. Un petit problème. Une petite... Oh, mais un petit endroit, il ne pouvait même pas régler. Et c'était tout un problème. Le bus était obligé de contourner pour passer au grand carrefour de Makori. En allant, quand tu quittes au 9e arrondissement, vers l'hôtel Conakry, pour aller direction la grande, je dis la grande, le grand carrefour de Makori, pour que le bus puisse contourner et revenir sur sa ligne pour pouvoir sortir vers la grande mosquée libanaise qui est située entre le pont de Trècheville et aussi Makori résidentiel. Le bus sort par là pour maintenant prendre le pont. Le pont Henri Conan, je dis le pont Henri Conan, au Houphouët-Boigny, pour pouvoir se diriger vers Agamé. Vous trouvez cela normal? Je me posais des questions, mais j'étais naïf. Je ne comprenais pas. Oh, pour ça, ce sont des vrais bandits. Ils bouffent l'argent sur le dos du peuple qui est déjà pauvre, mais ils ne font rien pour le peuple.
On ne peut pas rester dans ça pendant longtemps. À un moment donné, il faut changer. On ne peut pas mettre tout sur la tête du président. Le président aussi a d'autres affaires à gérer. Il a d'autres chats à fouetter. Il ne peut pas tout prendre en charge. Alors, je vous écoute. Allô? Excuse-moi. Oui, bonsoir frère. C'est pour intervenir là. Oui, on vous écoute. Mais Yannick, tes horaires de direct là, pardon, je sais que c'est le soir, les gens sont beaucoup à la maison, mais il faut essayer de réaménager parce que 22h là, 23h, parfois c'est trop tard. Hein, ok, vois, ça va. Les gens ne peuvent pas trop intervenir. Ok, merci. J'ai compris. Bon, merci. De rien. Bon, je voudrais intervenir sur les deux questions. Oui. La première, oui. Tu as demandé si est-ce que le président, l'ex-président Laurent Gbagbo, oui, et le président Alassane Ouattara, oui, si est-ce que les deux ont échoué. Je peux dire oui, ils ont échoué. Oui. Oui, ils ont échoué parce que ils ont échoué et tous deux ont plus ou moins en leur, voilà, en certains points où ils ont beaucoup échoué. C'est que, comme je dis, on parle pas du passé, mais on parle du présent actuellement. Il y a quelque chose qui s'est passé la semaine dernière, oui, au CHU de Yougon, oui, qui concerne le ministre de la Santé. Oui. Voilà, le ministère de la Santé, merci beaucoup. Au CHU de Yougon, le CHU de Yougon, Yougon qui a presque 6 millions d'habitants, qui est la plus grande commune de l'Afrique de l'Ouest, je dis bien de l'Afrique de l'Ouest, oui, qui a un CHU où le, c'est-à-dire, comment on appelle le truc là, le truc qui donne le courant, hein. Voilà, le générateur, oui, n'a pas fonctionné suite à une coupure de courant, oui, et le courant a été coupé pendant 19 heures, je dis bien pendant 19 heures. Oui. Il y a eu des gens qui sont morts, il y a un enfant qui est mort qui était sous assistance respiratoire. Oui. Et ce qui encore a été dommage dans cette histoire, c'est que après que le petit soit décédé, oui, les parents, quand ils réclament le corps de l'enfant, l'hôpital demande à ce que les parents versent 24 000 oui, avant de donner le corps de l'enfant. Oui. Sur ce, j'aimerais bien dire ceci. Les deux présidents ont échoué. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, il a échoué lui aussi dans certains domaines. Et ça, il faudrait qu'on le reconnaisse. Voilà. Mais en même temps, le président Alassane Ouattara, il a échoué aussi sur certains domaines. Quand il a fait sa campagne présidentielle, il a promis, il a dit que les Ivoiriens vont se soigner. Les Ivoiriens démunis vont se soigner gratuitement. Oui. En 8 ans, bientôt, il finit son mandat dans 1 an et demi, bientôt 2 ans. En 8 ans, le président ne peut pas dire qu'il n'a pas eu un moment, un temps pour élaborer ce programme-là pour les Ivoiriens. Le président ne peut pas dire que pendant qu'il est en train de construire des ponts, c'est très bien. Pendant qu'il est en train d'envoyer des investisseurs, c'est très bien. Pendant qu'il est en train de construire, comment on dit là, les centres commerciaux, c'est très bien. Mais il y a un point qui est important. Quelqu'un qui est malade, qui n'arrive pas à se soigner, comment voudrez-vous qu'il travaille pour apporter de l'argent dans la caisse de l'État? Il ne peut pas. Donc à un moment donné, nous pensons qu'il est temps. Il est temps que tous ces présidents aient des programmes pour les Ivoiriens. Oui. Ça, c'est très important. Parce que tu peux pas venir dire qu'en construisant des ponts, oui, en construisant des centres commerciaux, alors tu as amené la Côte d'Ivoire sur le chéquier mondial. Mais c'est archi faux. Oui. Tu ne peux pas amener un pays sur le chéquier mondial si déjà même on n'arrive pas à se soigner. Mais dis-moi, c'est quel bilan tu veux qu'on te donne? Question. C'est quel genre de bilan tu veux qu'on te donne? Au niveau d'investissement? Question. Mais en dehors des investisseurs, comment déjà le peuple vit? Comment le peuple arrive à se soigner? Voici les vraies questions. Là, on ne parle pas des ponts. On ne parle pas des supermarchés. Non, oui, non, on parle de la santé des gens qui vont travailler, qui vont au marché, vendre au marché. Il pleut dans la boue, dans les porte-à-porte, elles sont en train de marcher. Oui. Elles tombent malades, elles n'arrivent pas à se soigner. Parfois, d'autres décèdent à cause de 5 000 francs, d'autres décèdent à cause de 10 000. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un système de santé qui peut nous permettre de soigner des familles démunies. Oui. Sur ce point-là, moi je le dis et je le répète, le président Alassane Ouattara a échoué. Il a échoué même...
Même sa politique, il a échoué. Et ça, il faudrait qu'on le dise. Oui. Maintenant, au niveau. Le président Gbagbo, ça, c'est au niveau emploi. Je peux dire, c'est la même chose. C'est la même chose parce que c'est la même chose. Lui aussi, pareil, au niveau santé, il a échoué. Au niveau emploi aussi, il a échoué. Pareil pour le président Alassane Ouattara. Ils tous échoué. On dit aux jeunes de travailler, oui, il y a du boulot en Côte d'Ivoire. On dit aux jeunes de travailler, oui. On dit aux jeunes qu'on va vous donner du boulot. Il n'y a pas de souci. On dit aux jeunes qu'il y a de l'argent en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour accompagner ces jeunes? Oui. Celui qui est à Bangolo, celui qui est à Dabou, ou celui qui est dans une région, qui est maçon, mais qui veut bien se spécialiser dans la maçonnerie pour ouvrir son entreprise, travailler à son propre compte. Pourquoi le gouvernement ne veut pas ouvrir des centres de formation pour accompagner nos jeunes? Voici le problème. On dit qu'on veut avoir une Côte d'Ivoire avancée. Que faisons-nous? Quelles propositions nous faisons à ces jeunes? C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui peut travailler dans les bureaux. Oui. Mais en même temps aussi, donnons la possibilité à ces jeunes qui n'ont pas de diplôme d'exercer des métiers, ouvrir des centres de formation pour eux. Ça, c'est important. Voici le domaine dans lequel ils ont tous échoué là-dessus. Ok. Nous vous remercions, frère. Parce que tous les centres de formation qu'aujourd'hui le président... Oui? Oui, votre dernier mot? Ok. Non, mon dernier mot, c'est au niveau des maires. Au niveau des maires, tout à l'heure, tu parlais des maires. Mais je pense que c'est la même chose. Ok. C'est la même chose parce que c'est dommage encore. C'est dommage de voir encore qu'aujourd'hui, au 21e siècle, en 2018, il y a encore des maires qui distribuent de l'argent à des populations. C'est décevant et moi, je peux dire que c'est une insulte à ces populations-là qu'ils acceptent de prendre de l'argent. Aujourd'hui, on veut du concret. On veut des maires qui vont apporter, qui vont construire aujourd'hui des bibliothèques pour permettre à nos enfants de lire, d'étudier. C'est ça. C'est ce qu'on demande. Mmh. On ne demande pas l'argent. L'argent, c'est rien. L'argent, là, quand quelqu'un prend et dépense, là, c'est fini. Mais il faut quelque chose de concret pour accompagner nos jeunes. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous vous remercions, frère. Voilà, donc c'est... Voilà, merci à toi aussi. Merci infiniment. Au revoir. Alors... Nous sommes là et nous attendons les différents appels. Oui, allô, maître Samy. Bonsoir, monsieur Vigio, comment allez-vous? Ouais, je vais bien chez vous. Ben, ça va, c'est toujours un plaisir. Ouais. Ben, je voudrais apporter ma contribution à votre brillante émission. Oui, nous vous écoutons, maître Samy. Ok. Alors, je voulais d'abord, sur le titre de la vidéo, c'est intitulé... Est-ce que le président Gbagbo et le président Ouattara ont échoué? Oui. Bon, d'abord, c'est quoi l'échec? Parce que si on veut se fier à ce qu'on a vu là, M. Gbagbo a échoué. M. Gbagbo a échoué dans la mesure où, en première position, il a prêté serment pour protéger les Ivoiriens et il n'a pas pu le faire. Donc, ces arguments de « non, on ne l'a pas laissé diriger, oh, ils lui ont imposé une rébellion », Non. Ça, c'est des excuses échappatoires. Parce que quand on prête serment, c'est pour protéger les Ivoiriens. Oui. C'est pas pour distribuer l'argent. On ne prête pas serment pour dire que les Ivoiriens vont manger à la faim. Oui. Et puis, on ne prête pas serment pour dire qu'on va rouler les voitures. Non. On prête serment pour protéger les Ivoiriens. Donc, après 2 ans, quand on n'a pas pu protéger les Ivoiriens, quand on laisse une rébellion envahir la Côte d'Ivoire et envahir les Ivoiriens, on a échoué. Oui. Ça, c'est d'abord, ça, c'est la position d'abord. On ne va même pas rentrer dans les détails parce que Gbagbo avait promis l'assurance universelle qu'on n'a jamais vue. Gbagbo avait promis l'éducation, on n'a jamais vu, il avait promis des hôpitaux, on n'a jamais vu. Donc lui, totalement échoué. Ça, on ne revient même plus là-dessus. Oui. M. Ouattara, il n'a pas échoué. Parce que M. Ouattara a fait il y a beaucoup de choses à faire. Ça, c'est vrai. Moi, je déplore beaucoup de choses. Le monsieur qui vient d'intervenir a mentionné l'éducation. Et ça, c'est un truc qu'il faut. Ça, c'est vraiment primordial. Oui. Tout le monde ne réussit pas à l'école. Tout le monde ne réussit pas académiquement, je veux dire, avec avoir un doctorat ou un master en biologie ou en biochimie. Oui. Il y a des gens qui vont dans le trade. Le trade skill, ça veut dire où on apprend des métiers. Être un maçon, être un plombier. Ben ici, aux États-Unis, les maçons gagnent plus d'argent que ceux qui travaillent dans le bureau. Oui. Le plombier gagne plus d'argent que celui qui travaille au bureau. Oui. Les électriciens gagnent plus d'argent. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Oui. Voilà. Donc, il faut faire ce genre de machin-là. Entre bâtiments, construction, tout ça. Ça doit être comme en France, il y a tout ça. Aux États-Unis, il y a tout ça, c'est ce qui développe les pays. Oui. Donc le monsieur avait sur ce point. Au point de vue santé, bon, je crois que
Le monsieur, il a un peu raison, et puis d'un côté, il n'a pas raison parce qu'il y a beaucoup plus de machins. Il y a l'hôpital, mère-enfant et tout ça. Et sur le CHU, où l'enfant est décédé là-bas, ça, j'ai vu cette information. Le monsieur a partiellement raison parce qu'on peut accuser, mais on ne peut pas accuser M. Wapper. Le CHU a le poumon. Oui. Vous l'avez dit, c'est le maire de l'époumon qui doit s'occuper du CHU, pas le président. Oui. Vous avez fait un point, M. DG. Oui. C'est pas le président qui doit s'occuper du CHU. C'est le même de Bougon. Oui. Et voilà pourquoi. Je vous dis pourquoi. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est partout en Afrique. Vous savez pourquoi? Question. Parce que les citoyens africains, comme je le dis toujours, monsieur Léger, on en parle chaque fois. Moi, je vous dis toujours hors antenne. Je vous dis que l'Africain mérite ses leaders, n'est-ce pas? Oui. Je vous ai toujours dit. L'Africain mérite ses leaders. Quand on vit dans une commune et qu'on sait qu'il n'y a pas de groupe électrogène dans l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? Question. Mais on prend d'assaut la mairie. J'ai pas dit d'aller casser la mairie, mais hop, aller là-bas devant la mairie, défiler. Vous payez des taxes dans la ville. Oui. C'est les femmes qui vont au marché, qui payent les taxes, la police municipale qui collecte les taxes. Mais tout ça, c'est pourquoi? Question. C'est pour faire ces choses-là. Il faut un groupe électrogène. Comme vous voyez que, par exemple, M. Djedjé, moi, je vous donne mon argent, je vous dis, ah, mais M. Djedjé, chaque mois, moi, je vous donne 500 francs, et puis vous gardez ça, et puis à la fin du mois, vous allez m'acheter quelque chose, une voiture ou quelque chose. Oui. Et à la fin du mois, je suis là, vous m'envoyez une voiture, il n'y a même pas de batterie dedans. Mmh. Il faut que je réclame ça. Exactement. Mais les Africains ne réclament pas ces choses-là. Ils sont assis là, ils se plaignent. Vous voyez, j'avais fait une dernière vidéo lorsque il y avait le soulèvement de Bouba et tout ça. Moi, j'ai dit que bon, vous avez, j'ai dit que moi, vraiment, je suis déçu des Africains parce que les Africains, leurs revendications, ça dure seulement que 3 jours. Mmh. On a vu la revendication française pas avec Emmy Seba. 3 jours, c'est passé. L'esclavage en Libye, 3 jours. C'est le buzz, hein, sur les réseaux sociaux. Chacun fait sa vidéo. Oh, même quand les Libyens, oh, comme ça, 3 jours. Après, ça, c'est fini. Oui. Après encore. N'importe quel buzz, 3 jours, ça passe. Le oui. Franc CFA, 3 jours, enfin, tombe le pantin guinéen qui va sur le chaîne, qui dit qu'il demande son indépendance. Après, on l'invite sur le chaîne, il ne peut même pas s'exprimer. Il fait comme s'il se bat avec les journalistes, c'est quoi ça? Un président qui dit qu'il veut ouvrir des sociétés de cube magie, et que parce que le cube magie qui se vend en Guinée, c'est mauvais pour le vent, ça donne des mots de vente et tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour... Est-ce que tu as déjà dit à ces gens, ça ne vendait plus ce que tu imagines, c'est parce que tu es la population guinéenne. Qu'est-ce que... Et la population se plaît dans ça. Mmh. Et les Africains méritent les leaders. Ces gens-là, dans ces communes-là, ils savent que le maire ne fait rien. Et ces maires-là, je regarde maintenant, chaque fois, je suis... Moi, je suis toujours en contact avec les choses du pays, donc je vois toujours. Mmh. Je vois, je regarde, je vois. Regardez aujourd'hui les campagnes présidentielles. Tous les maires qui sont venus, que ce soit PDCI, RHDP ou indépendant, en campagne, voilà ce qu'ils disent. Nous avons des projets pour les jeunes, et spécialement pour les femmes. Nous allons développer le commerce des femmes pour qu'elles soient indépendantes. Et tous, c'est le même discours. Mais oui. Est-ce que ces gens-là, tu vois, dans un pays développé, ces jeunes-là avec ces femmes-là vont dire, ouais, mais monsieur, on a compris, mais comment vous allez faire ça? Expliquez-nous comment vous allez arriver là. Exactement. Parce que c'est bien bon de dire ça. Tous les maires, là, tous les candidats disent ça chaque année, chaque élection. Nous allons aider les jeunes. Cette fois-ci, on va mettre l'accent sur les jeunes. Et je te parle des maires sortants. Oui. Un maire sortant, c'est un maire qui était déjà là, qui sort de la position de maire et qui veut se représenter encore. C'est pas comme, c'est pas des nouveaux qui viennent d'arriver. Hein. Je te parle des maires sortants qui sont là déjà, ils ont déjà fait 5 ans, 4 ans. Mais ces gens-là disent non, nous, on va mettre la priorité sur les jeunes. Mais hey, avant ça, là, le précédent mandat, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Question. Pourquoi vous avez mis la priorité sur les jeunes et les femmes? Question. Et c'est maintenant que vous allez dire ça et qu'ils vont dire encore oui, parce qu'on vous a acheté un t-shirt du Père Sardine. L'Africain mérite ses leaders, monsieur Dédé. Okay. Parce que quand un maire est dans une ville, après un mois, après un an, même si le mandat, le contrat c'est 5 ans, après un an, comme vous voyez que ça ne va pas, mais il faut le faire résigner. Vous avez des hôpitaux qui sont des mouloirs, tout ça c'est la mairie qui doit s'occuper, c'est pas le président qui va venir. Et le truc qui s'est passé au CHU, quand ça remonte au président, quand le président apprend ça qu'il y a un enfant qui est mort au CHU, maintenant il demande des comptes au ministre de la Santé. À qui maintenant au ministre de la Santé de renvoyer quelqu'un de droit, de prendre de situer les responsabilités, ou si la responsabilité remonte au ministre de la Santé, le ministre de la Santé doit ou démissionner ou être renvoyé par le président de la République. C'est comme ça un pays de droit. Mmh. C'est ça un pays civilisé. Mais les gens meurent dans le CHU par faute de moyens et puis ça reste là-bas. Comme le monsieur disait, ils ont dit que non, ils ont bloqué même le corps et ils ont même demandé encore 24 000 pour donner le corps. Mais regardez-moi ça. Mais vous avez la tamarité même de garder le corps de quelqu'un là-bas après que par votre faute, l'enfant est mort, mais dans un pays développé, que tout le personnel de l'hôpital là doit être entendu. Mmh. Du vigile jusqu'au directeur de l'hôpital. Tout le monde sera enfermé. Et cette famille doit être dédommagée à coups de milliards de francs CFA. Oui. Mais c'est quoi cette légèreté là?
Ici, aux États-Unis, dans la ville où je suis, c'est à Détroit, dans le Michigan. Le maire de Détroit, Kwame Kilpatrick, a été entendu, il a été traduit en justice fédérale parce qu'il y a eu des détournements de fonds. Oui. Pourquoi? Parce qu'on lui a reproché de donner des contrats à son papa qui avait une compagnie de construction et à un de ses amis d'enfance qui avait une compagnie de construction, une compagnie d'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont vu que le budget qu'ils ont pris là pour faire ce machin, ils n'ont pas mis tout le pied là-bas. Donc lui, il a viré un peu de pied il a viré un peu d'argent là sur les comptes de son ami et de son père. C'est ce qui s'est passé? Le gars a pris 28 ans en prison fédérale. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne conduite, il n'y a pas comment on appelle, la liberté provisoire et tout ça, rien de tout ça. 28 ans en prison fédérale, son papa a pris 10 ans, son meilleur ami a pris 15 ans. Le maire de Détroit, ils l'ont destitué, ils l'ont mis en prison. Ok. Et voilà, quand M. Ouattara a destitué M. Bonjour à Costi, il a dit non, c'est la dictature, ou bien c'est. Non, mais ça doit être un exemple. Ça ne doit pas être seulement au plateau, ça doit être dans toutes les mairies. On vous donne un budget, vous n'accomplissez pas, on vous vire de là. Vous n'êtes pas là seulement pour signer les certificats de mariage et les certificats de naissance ou de machin, moi. Je ne sais pas, moi. Ok. Nous vous remercions, Maître Samy. C'est moi qui vous remercie, je vous en prie. Ouais. Merci beaucoup. Allô? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui, nous vous écoutons, frère. Ah, ok. Allô, tu as fini d'intervenir là, vu que tu parlais là? Oui, on vous écoute. Ah, ok, bon, bonsoir. Je me présente d'abord ici, Mauro Ibra. Oui. J'interviens. Je vais un peu appuyer votre vidéo, votre direct que vous êtes en train de faire. Oui. Il est très bon. Et appuyer un peu aussi ce que les deux intervenants viennent de le dire, viennent oui. de parler. C'est celui-même qui vient de partir tout à l'heure là. Oui. Le premier point, vous avez dit, est-ce que le président Alassane a échoué ou Laurent ou le président Gbagbo? Oui. Moi, ma réponse est là. Parce que je vois depuis là, il y a un mec là qui insulte un certain Kony Benbo, je ne fais pas attention à ça. Moi, je dis, Gbagbo n'a pas échoué, Alassane n'a pas échoué. La population de la Côte d'Ivoire qui a échoué. Pourquoi? Voilà pourquoi. Parce que nous, les Africains, nous sommes des masos. On aime la souffrance. Oui, parce que on a constaté, quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, oui. tout ce que M. Laurent Gbagbo fait, parce que je suis de FPI, et c'est normal. Oui. J'aime le président Laurent Gbagbo, même si tu m'en mets, je suis d'accord. Le président Alassane Ouattara, je suis de RDR, même si tu m'en mets, mon père, je suis d'accord. On s'en fout. Donc, à qui la faute? Personne n'est capable de montrer au président, Monsieur le Président, ce que vous avez fait n'est pas normal. Oui. Tout le monde en assiste. Si 100 personnes, une personne qui se lève, qui dénonce ça, toi tu es devenu maudit. Si tu es du RDR, tu es un enfant maudit. Parce oui. que tu critiques le pouvoir. Si tu es du FPI et tu critiques le pouvoir des FPI, tu es un enfant maudit. Oui. C'est ce qui fait que l'Afrique ne peut pas avancer. Oui. Voilà. De deux, je reviens sur les maires. Aujourd'hui, les maires, comme tu l'avais dit tout à l'heure, tous nos maires là, oui. c'est des broutards. C'est des broutards, c'est des voleurs. Oui. On voit comme celui qui vient de passer, l'intervenant qui vient de passer tout de suite là. Il a dit, il a bien précisé que il y a des gens, aujourd'hui, les maires sortants, qui viennent faire des campagnes aujourd'hui pour demander à la population oui. de les révoter. Ils ont des projets. Alors que ces projets-là, ils ont fait 5 ans en tant que maire. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de goudron. Ils viennent encore, ils demandent à ces mêmes populations, votez-moi, je vais faire ça pour vous. Et vous soyez encore toujours massivement, allez le soutenir dans ces campagnes. Et tu vas voir, ils vont les révolter encore. C'est qu'on veut souffrir, on aime la souffrance. On aime la souffrance. Parce que, on voit aussi les budgets qui sont donnés aux maires. Ils bouffent.
Qui donne ces budgets-là au maire? Question. Ça vient du ministère de l'Intérieur. Oui. Est-ce que on a demandé au ministre de l'Intérieur, est-ce que vous donnez les budgets au maire? Oui. Maintenant, non, maman, qui peut dire aujourd'hui dans les communes en Côte d'Ivoire, non, maman ou non, papa, nos parents qui vendent dans les marchés, tous ces gens-là payent des thèmes. 100 francs, 100 francs, 1000 francs, 1000 francs, chaque jour que Dieu fait, où tout cet argent-là rentre. Question. Maintenant, aujourd'hui, là, en ce moment, c'est les campagnes. C'est les mêmes gars, c'est les mêmes personnes qui viennent. Je prends l'exemple, c'est à Bobo. On avait à Bobo, aujourd'hui à Bobo, sauf il y a des maires qui ont mangé avec le président, qui venaient tout avec le président, qui étaient maires pendant 17 ans à Bobo. Ils n'ont rien fait à Bobo. Le ministre de l'Intérieur, qui était là pendant 8 ans, qui donne le budget, il n'a rien fait à Bobo. Est-ce que pour être maire, tu as besoin de venir partager des véhicules? Question. Tu n'as pas besoin. Tu deviens maire et puis tu travailles pour la commune. En donnant les véhicules, que tu seras maire et puis après. Question. Ces véhicules-là, on ne mange pas ces véhicules-là. Il faut travailler pour prouver à la population que oui, moi, j'aime ma commune. Oui. Mais pour moi, c'est pour ça que j'ai dit, et ces mêmes gars-là, nous les Africains, là, on est des mazos. Tu vas voir, c'est les mêmes populations encore qui vont voter les mêmes personnes pendant 5 ans, pendant 10 ans, il va être toujours là. Et Abidjan ne peut pas changer. Ok. Nous vous remercions, frère. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je te remercie, Bugog, à toi pour ta. Souvent, on n'est pas. Souvent, je ne suis pas d'accord. Souvent, il y a des sujets, il y a des thèmes que je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te suis beaucoup. Et on va se fatiguer. Moi aussi, j'ai fait des vidéos souvent. Et ce que tu fais, je t'encourage. On va toujours continuer jusqu'à un jour, l'Afrique va changer. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire seulement, c'est pour l'Afrique. Ok. Ok, bon. On vous remercie, donc, frère. Ouais. Alors, je vais appeler un frère qui a plusieurs fois tenté de me joindre. Je lui ai dit que j'allais le rappeler. Donc, je rentre en contact avec ce dernier, s'il est encore en ligne. Donc, nous attendons. Bon, je pense qu'il n'est pas connecté. Allô? Oui, monsieur Djedje, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oh, je vais bien chez vous. Ben, ça va, Dieu merci. Ben, écoutez, j'interviens pour pouvoir dire aussi, enfin, apporter ma contribution au débat. Oui. Et moi, vous avez dit, qui des deux, en parlant de Gbagbo et de d'Alassane? Oui. Mais moi, je monte plus loin. Oui. Je dis, tous les présidents de la Côte d'Ivoire, depuis la création jusqu'à Alassane, ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont épousé. Ils ont épousé tous la même reine mère. Oui. Qui est l'impunité. L'impunité. C'est la reine mère. Oui. Du mal de la Côte d'Ivoire. Et ça a engendré la corruption, la gabegie financière à tout niveau. Oui. À tel point que, vous savez, que ça soit du plus haut jusqu'au plus bas, nous vivons dans la corruption. Et quand on vit dans la corruption, et surtout dans l'administration, rien ne peut marcher. Je vous ai dit la dernière fois dans l'un des débats que nous avons eus, que même les ministres raquettent les DG raquettent en dessous. Et je dis par ma fonction que je suis actuellement, et quand je vais en Afrique, je suis confronté à l'administration et des préfets et des sous-préfets pour des thèmes de 500 francs raquettent. Ne serait-ce que pour des documents qu'on doit légaliser, on vous raquette.
Vous comprenez? Jusqu'à la sous-préfecture. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que, évidemment, les maires, c'est une habitude, c'est une éducation que les gens ont eue. Et même ceux qui viennent de l'école et qui rentrent dans cette spirale, à tel point que ils rentrent, la gangrène prend, et effectivement, ils rentrent dans cela, et ça ne fait pas avancer. Ça devient une seconde nature. Et l'impunité est faite de telle sorte que les gens s'en foutent. Ils savent qu'on ne peut rien leur faire. Je vous le dis, parce que moi je l'ai dit. Je dis, mais est-ce que vous savez que ce que vous faites, c'est illégal? Ils disent, on va faire comment? On sait que c'est illégal, mais tout le monde le fait. On est obligé de le faire. Voilà ce qu'on m'a senti. Je demande des reçus, on dit, on ne donne pas des reçus. C'est un thème de 500 francs. Vous payez ce que vous devez payer, ce qu'on vous a demandé de payer. Vous voyez, quand on vous parle comme ça, et c'est le sous-préfet qui exige ça. Le sous-préfet qui exige ça, vous allez dire quoi? Il y a l'impunité. Vous allez écrire, vous allez faire marcher, on ne va jamais le renvoyer. Il sait que je ne l'ai jamais puni. Alors, dans un pays où l'impunité règne à outrance, pour ça je vous ai dit que l'impunité est reine en Côte d'Ivoire, vous comprenez? Ça engendre justement ce genre de trucs. Tant qu'on ne met pas de répression, comme on a fait au Ghana, Rolex, pourquoi aujourd'hui on parle aujourd'hui du Ghana? C'est parce que Rolex a instauré la répression qui a permis de créer une certaine mentalité, apporter une certaine éducation et qui a créé une nouvelle mentalité des Ghanéens qui ont compris comment il faut maintenant s'y prendre. Mais nous, on ne connaît pas ça. On connaît la sensibilisation. Regardez tous les journaux, regardez les informations. Quand on vous parle, on dit oui, nous avons fait la sensibilisation. Et la sensibilisation, l'Africain ne connaît pas. Mais faites la répression, l'Africain va se mettre, l'Ivoirien va se mettre dans le droit chemin. Oui. Mais chez nous, il n'y a pas de répression. On vote des lois, on prend des décrets, on fait des machins, on dit, mais on les a dégagés, ils sont revenus, on va faire comment? Regardez des arguments. On a fait de la sensibilisation, on a fait de la sensibilisation, et les gens reviennent, ils font la même chose. Mais on leur a dit, chez nous, on dit toujours, mais les gens s'en foutent. Mais parce qu'ils savent qu'il y a l'impunité qui plane. Alors que nous sommes éduqués dans cette logique, je vous dis, nous allons beau faire, rien ne pourra se faire. Nous resterons toujours dans cette gangrène. C'est une vraie gangrène. La corruption est à tout niveau, que ce soit au niveau de l'État, que ça soit jusqu'au plus petit, dans tous les recoins de l'administration, que je vous dis qu'il y a la corruption. Oui. Je lance un défi, quelqu'un me dit c'est faux. Ça existe. Je suis confronté à cela à chaque fois que je pars en Afrique. Ok. Nous vous remercions. Vous comprenez? Alors donc, comme solution, pour terminer, je dis, comme solution, il faut de la répression. Quand on voit des lois, quand on prend des décrets, il faut l'appliquer à la sensibilisation, certes, mais il faut la faire très peu, mais plus de répression. Vous allez voir que nous serons à l'image du Ghana. Voilà ce que je voulais dire. Ok. J'appellerai s'il y a besoin d'appeler. Nous vous remercions. Ah, ok. Le frère dit qu'il est là. On va essayer de rentrer à nouveau en contact avec lui. S'il vous plaît, ne vous insultez pas. Voilà, vous êtes assez grand. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Didier. Oui. Voilà, moi aussi, je veux intervenir. Au fait, j'ai lu le titre de ta vidéo et voilà, je vais intervenir. Oui. Pour ma part, je vais être franc, hein. Je vais être franc. Je sais que votre groupe, là, toi et ton groupe qui suivez la vidéo, là, vous n'aimez pas Gbagbo. Vous n'aimez pas surtout les gars. Mais moi, je suis un gars, quoi. Donc, j'aimerais te dire qu'en tant qu'un gars, je veux intervenir. C'est possible. Parce qu'il ne faut pas jamais... Non, jamais arrêter, après, jamais dire c'est vous qui m'a attribué une identité. Sinon... Pardon? J'ai dit c'est vous qui m'a attribué une identité. Oui, mais moi, non, au fait, non, je ne fais pas comme vous, quoi. Je ne fais pas dans l'hypocrisie comme vous. Moi, je dis ce que je vois, quoi. Tu vois un peu. On vous écoute, frère. Personnellement, comme ça, là, moi, je sais que tu n'aimes pas Gbagbo. Toi, Didier, je sais que tu n'aimes pas Gbagbo et ça clique. Mais moi, ça ne me dérange pas de suivre tes vidéos, tu vois un peu, non?
Voilà. Au C'est fait, vous qui le dites, sinon moi je ne savais pas. oui, au fait, c'est pour ça que j'ai précisé d'abord que je ne fais pas dans l'hypocrisie comme vous. C'est pourquoi j'ai Oh. décliné mon identité. Ok, Tu comprends un peu, on vous non? écoute, frère. Voilà, c'est pour ça. On est ivoirien. Il me dit que bon, ta plateforme, c'est une plateforme démocrate. C'est pourquoi tous les Ivoiriens peuvent parler, appeler pour parler. Tu Oui, comprends? oui. Pour moi, non. Hein? Pour moi, d'abord, Gbagbo n'a pas échoué. Ce mec-là, s'il aurait échoué, on aurait vu la preuve de sa culpabilité à la haie. 80 témoins, 7 ans. Vous n'avez rien prouvé. S'il vous plaît, cachez-vous un peu. Regarde, un gars que vous dites qu'il a échoué. Regarde un peu derrière toi. Toute la jeunesse africaine ne jure que par son nom. Et vous osez continuer de dire qu'il a échoué. Il a échoué dans quoi? Lorsqu'il est agressé. Vous aurez souhaité qu'il fasse comme Paul Biya? Question. Hein? Parce que Question. regarde ce qui se passe actuellement au truc au Cameroun. La minorité qui a soulevé les armes se fait mater. C'est ce que vous aurez voulu, mais regarde le bain de sang. C'est ce que vous aurez voulu, parce que Question. j'entends un Libanais qui vient intervenir souvent sur ton direct. Un Libanais qui s'appelle Sami Faou, là, il vient intervenir sur ton direct sous prétexte que Gbagbo n'a pas pu sécuriser les Ivoiriens. Mais je peux comprendre son point de vue parce qu'il est Libanais. Si c'était au Liban, qu'il y avait cette rébellion, peut-être qu'ils allaient trouver un point d'entente. Mais Oui. nous, les Ivoiriens, on n'est pas dans la barbarie. C'est pourquoi Gbagbo a discuté avec les trucs. Bon, d'accord. Moi, je donne simplement un exemple. Hein. Voilà, Gbagbo, il a fait, on dit, 10 ans au pouvoir. Le pays était coupé en deux, mais il a réussi à payer toutes les dettes du pays. À un point où même il y a d'autres Africains qui le prennent comme un exemple par rapport à ce qu'il a accompli. Tu m'écoutes? Oui, on vous écoute, frère. Ok. Bon, maintenant voilà le champion qui a été parachuté encore à la tête de notre pays, que tout le monde a fait ses éloges. Mais il a bloqué. Il n'y a pas un pays africain qui est plus endetté que la Côte d'Ivoire. Bon, comment je regarde les deux aspects comme ça, non? Il n'y a pas, faut te renseigner, il n'y a pas un seul pays africain qui est plus endetté que la Côte d'Ivoire. Oui. Maintenant, comment je regarde les deux, là? Je me dis, mais attends, qui est le plus nul? Celui qui avait le pays à moitié, qui a réussi à payer les dettes, les gens mangeaient, les gens ne dormaient pas au cimetière. Hein? Voilà. C'est celui-là, vous dites qu'il a échoué parce qu'il n'a pas pu protéger les Ivoiriens. Bon, le développement dont certains parlent là, moi je te dis quelque chose, le développement là, c'est d'abord avec les êtres humains. Les êtres humains là, hein, faut les mettre à l'aise avant de pouvoir faire autre chose. C'est ce que moi je pense quoi. Parce que quand tu fais des ponts à péage et puis les gens même n'arrivent même pas à manger, comment ils passent sur le pont à péage lorsque lui-même il n'arrive pas à manger à la maison? Comment? Je Oui. n'arrive pas à comprendre. Je te demande, DJ. Voilà. Comment ça se fait? Question. Hein? Non, il faut Question. regarder. Hein? Moi, selon moi, Gbagbo, il a tellement réussi que son arrivée, là, ça commence à effrayer certaines personnes. Et comme vous aimez parler dans la langue de bois, par exemple, toi, hier, je suivais ta vidéo où tu faisais les éloges dans Global parce qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Mais moi, je trouve normal qu'en global, tout en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas pour autant que je fais ces éloges. Mon frère, je connais l'histoire de ce mec-là. Je sais que c'est quelqu'un qui ne tarde pas à changer sa veste lorsqu'il veut manger. Et c'est ce genre de politicien, toi, JJ, que moi, j'ai toujours respecté, tu nous demandais de suivre. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à apprécier ça. Parce que toi, tu as peur, tu ne veux pas dire la vérité sous prétexte que la majorité des RDM ne vont pas t'aimer. Donc, bon, voilà. Donc, nous aussi, on doit l'aimer. Non, je suis désolé, mon frère Didier. On ne peut pas faire ça. Selon moi, hein, Gbagbo et à Ouattara, Gbagbo n'a pas échoué. Je crois avoir donné des éléments pour argumenter ma thèse. Maintenant, concernant la mairie, tout ça, là, tu vois un peu comme tu avais dit, cette partie-là, je suis d'accord avec toi. Faudrait au moins un jour que ces gens-là, c'est-à-dire que toute personne qui veut avoir une responsabilité publique dans la Côte d'Ivoire doit être en mesure de pouvoir te rendre compte lorsqu'il partira. Tu comprends un peu? Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, tous ceux qui veulent travailler doivent être en mesure de rendre compte, enfin, de leur mandat. Voilà, Didier, je suis vraiment désolé hein, d'avoir Oui. parlé comme ça, mais fallait que je Non, te c'est dise ce la que je pense, liberté. quoi.
Il n'y a pas de souci. Il fallait que je te dise ce que je pense. Parce que oui. Tantôt c'est Chanel K, tantôt que c'est Samy Faou. Mmh. C'est eux qui ont toujours de brillantes, de, comment on appelle ça, de brillantes observations. Bon, ça veut dire que nous les gens de Babou. Un jour, j'ai même entendu ici sur ton direct que le fait de dire que tu es gosse, ça veut dire que tu es déjà discrédité. Toi-même, tu t'es discrédité. Mmh. Les gars, s'il vous plaît. Pour nous discréditer, allez à la... ça fait 7 ans que le vieux est là-bas. On cherche des moyens pour l'incriminer. Il n'y a pas. C'est ça, c'est de ça qu'on parle, mon frère. Mmh. Vous avez dit tout de ce monsieur-là. Aujourd'hui, là, y a, tu connais la, la cyberactiviste, là, non? Elle s'appelle comment Mamouchka. Mmh. Elle est allée saluer Mme Gbagbo. Mmh. C'est pas, elle n'est pas ivoirienne. Hein? Elle n'est pas ivoirienne. Mmh. Elle est camerounaise. Mmh. Bon, j'ai entendu Samy Faou, ce mec-là. Il a dit encore que... les Africains aiment le buzz. Je comprends que les Libanais ne se consacrent pas vraiment à la douleur des Africains, mais je vais te dire quelque chose. Le problème de CFA, là, c'est grâce à Kémi Séba. Okay. Laisse-moi dire à cet ignorant-là que grâce à Kémi Séba... S'il vous plaît, pas d'injure. Hein? C'est pas une injure quand on dit que tu es ignorant. C'est pas une injure. C'est ça le problème avec vous autres. Mmh. J'ai vu, non, vous employez les mots, mais vous ne connaissez, vous connaissez pas la signification. Mmh. Tu comprends un peu? Mmh. Moi, je dis qu'il est ignorant parce qu'il ne sait pas que grâce à Kémi Séba, écoute-moi, écoute-moi. Mmh. Il ne sait pas que grâce à Kémi Séba, aujourd'hui, le franc CFA est devenu un facteur dans toutes les campagnes électorales en Afrique. Mmh. C'est déjà une victoire. Avant, les Africains ne parlaient même pas de ça. Aujourd'hui, on en parle. Nous vous remercions. Donc, il faut comprendre que c'est une victoire. Au fait, non. Nous on n'a qu'à chercher à trouver une solution pour régler tous ces problèmes-là, au lieu de chaque fois tirer sur l'un ou l'autre. Nous vous remercions. Si vous n'aimez pas Gbagbo, pardonnez, laissez-le comme ça. On peut venir intervenir sur les choses de la Côte d'Ivoire, mais laissez le vieux là comme ça. Nous, 7 ans. Nous vous remercions, frère. Mais, ok, il n'y a pas de souci. Merci pour votre très brillante intervention. Non, moi, il n'y a pas besoin que tu m'ovationnes, mon frère. Je veux que tu dises la vérité. Ok, on vous faut pas être animé de la peur. Dis les choses telles qu'elles sont. On vous remercie, frère. Ok, merci. Bonne soirée. À ok, ciao. Allô? Allô, monsieur Guédé. Oui, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Oui. D'accord. Bon, je... moi, je voulais... si vraiment ton sujet était... quel est le bilan de Ouattara et quel est le bilan de Gbagbo? Mmh. J'allais rentrer dans le... dans le sujet à polémique, là. Mmh. Bon, voilà. Maintenant, comme on dit, est-ce que les deux ont joué? Bon, les deux ont joué, oui. Les deux ont joué, non. Mais si c'était... j'allais vraiment être à l'aise si tu avais dit, prochainement, peut-être s'il y a un débat où tu dis, le bilan de Ouattara et le bilan de Gbagbo, entre les deux, qui a joué? Oui. Je pense que ce jour-là, tu serais trop à l'aise pour m'exprimer. Mmh. Mais, un petit rectificatif à M. Samir. Mmh. Hein? Oui. À Michigan, il a dit que Gbagbo a échoué parce que Gbagbo n'a pas pu protéger les Ivoiriens. Bon, mmh. Si c'est ça un échec, bon, je suis désolé. Mmh. Parce que je pense que cette rébellion-là, il y a eu des tentatives. Mmh. Où on a parlé de... s'ils les avaient étouffés dans l'œuf jusqu'à aujourd'hui, on aurait dit que Gbagbo, il est dans les complots. Parce qu'on a déjà vu une première fois où il y a eu le complot de la Mercedes noire. Mmh. Ils ont déjà tenté une première fois. Il les a pas matés, ils sont répartis. On a dit non, le complot, Gbagbo est dans le complot, dans le complot. Bon, heureusement que tout est sorti maintenant, en plein jour. On sait maintenant qui était vraiment à la base. Mm-hmm. Deux, je lui dis, vraiment, c'est ce que je lui dis. Souvent, les gens, ils parlent dans l'émotion. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. C'est pas les maires qui gèrent, les CHU, je suis désolé. C'est pas les maires, monsieur Samy, c'est pas les maires qui gèrent. Le maire, le directeur du CHU est nommé par le président de la République sous proposition du ministre de la Santé. Voilà. Donc, il n'a qu'à savoir ça. Ça dit, il n'a qu'à savoir. Il y a des choses qu'ils ne savent pas. Ils viennent comme ça à l'antenne, ils parlent. Les maires ne gèrent pas les CHU. Les CHU sont gérés par les directeurs des hôpitaux qui sont eux-mêmes nommés par le président sous proposition du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé. Si tu vas voir... parce qu'il n'a pas protégé les Ivoiriens, mais c'est que Obama a joué parce que les Al-Qaïda a frappé le 11 septembre, le pays le plus sécurisé du monde. Les Al-Qaïda est rentré ici, ils ont frappé le 11 septembre. On n'a pas dit qu'Obama a joué. Non, tout le monde a applaudi Obama parce qu'on dit qu'il a bien travaillé. C'est des petites choses, il faut qu'on sorte de ces petites choses pour voir grand. Ce n'est pas une question de haine contre un président, non. Il faut voir ce qui est. Moi, j'ai dit, bon, actuellement là, il y a des choses que Ouattara a faites, que Gbagbo a laissé, que Ouattara est venu. L'État, c'est une continuité. Mais je te dis, comme je te l'ai dit, prochainement, quand tu vas mettre bilan contre bilan, je serai plus à l'aise pour parler.
OK. Bon, ça, je laisse le sujet. Voilà, maintenant, au niveau des mairies, il faut dire, comme le monsieur l'a dit, une mairie, c'est le maire, c'est une population qu'il gère. Il faut qu'on change nos mentalités. Tu comprends? Regarde, Mel Théodore, il a arrangé le coin là, le coin où on dit Carrefour Mel, c'était une poubelle avant que Mel est venu en pays. Mais l'eau quitte à, je ne veux pas insister une commune particulière, mais les pneus et les cocoa quittent en haut là-bas pour venir bloquer le coin et le coin devient inondé. C'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes, on change nos mentalités. Un maire ne va pas te dire, viens et écoute, tu es un homme. Lui, M. Saoumi, il vit aux États-Unis. Il sait que quelqu'un ne peut ne se lève pas comme ça pour jeter poubelle dans caniveau. Il faut qu'on facilite aussi le travail aux maires. Tu comprends? On leur facilite la tâche. Je pense qu'ils peuvent bien travailler. Parce que c'est une question d'éducation. Autant tu quittes en Europe, parce que je sais que même de toute façon, il parle, s'il va en Côte d'Ivoire, s'il manque quelque chose, il va jeter ça dans la rue. Pour dire, mais c'est le travail du maire. Parce que quand tu fais, les gens, quand tu leur dis, mais écoute, ne jette pas ça, dis, mais si on jette. Allô? Qualité comme ça. Nous-mêmes, on n'a qu'à se revoir avant d'accuser les maires. Tu comprends? Le maire, c'est un agent de développement, c'est vrai. Mais quand il travaille, il faut qu'il travaille avec une population qui est vraiment éduquée. Si vraiment on était vraiment éduqué, si vraiment chacun savait ce qu'il faisait, si chacun, c'est pourquoi la haine, il doit faire un travail de sensibilisation. Quand ils viennent comme ça avec les présidents et les machines dans les pays européens, et puis ils font les tournages et tout ça, mais ils n'ont qu'à regarder les villes qu'ils visitent, ils n'ont qu'à interroger les populations, comment les gens font. Tu comprends? Les maires, les gens installent les poubelles, les gens prennent pour aller fabriquer marmite. Mais ils vont faire quoi même? Ils vont faire quoi? Question. Tous les couvertes de choses que la chaude ici avait mises là pour couvrir les égouts et tout ça. Mais les gens prennent pour aller fondre pour faire marmite. Tu comprends? C'est pas la faute. Il y a des maires qui veulent travailler, mais c'est pas leur faute. Ils sont vraiment. Et tu vois, le gars, il a pris le couvercle là. Tu vas le trouver où pour le sanctionner? Question. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Eux aussi. Voilà la part de responsabilité de la population. Mais les maires aussi, ils ont peur de sévir. Parce qu'ils se disent, oh, si je sévis, tu suis dans ce quartier, le prochain machin, ils ne vont pas me lire. Donc, je suis obligé de regarder faire, et ils regardent la population faire n'importe quoi. Lui-même, souvent, ils passent voir une femme qui verse l'eau. Je pense qu'ils ont hérité de la colonisation. Avant, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Avant, les gens, ils ne versaient pas l'eau dans le quartier, sur la route. Parce que quand tu verses l'eau sur la route, parce que nos parents nous ont dit, le colon qui passe là, il te voit et tu payes une amende. Je pense que les gens peuvent être. Mais, comme le monsieur qui dit, mon frère des États-Unis l'a dit, il y a la corruption qui a gangréné tout le pays. Ça veut dire, là où le maire envoie ses agents pour aller sévir, mais ils arrivent là-bas, là où le gars okay. enlève 500 Nous vous remercions. Merci, monsieur Guégué. Okay. Merci pour votre très brillante intervention. Merci. Merci. Ouais. Allô, Madame Chanelka. Oui, bonsoir, Monsieur Guégué. Bonsoir, Madame Chanelka. Comment allez-vous? Ça va, et vous, votre rhume, ça va mieux? Ça va un peu. On peut dire un peu, ouais. D'accord, je vais rentrer droit dans le sujet. Oui. Vous dites de ne pas insulter, mais laissez-moi un petit peu remettre les choses dans le cadre, dans les cadres. Oui. Vous savez, vous dites de ne pas insulter, oui. mais il y a ce petit chihuahua là que j'ai surnommé Chihuahua de l'Angleterre qui fait une fixation. Il ne s'est même pas rendu compte, peut-être qu'il vous prend pour un mouton, bien pour une bête. Il vous accuse, il dit vous et votre groupe là. Je sais que vous n'aimez pas les gars. Ça, c'est déjà une insulte. Et puis, c'est une fausse accusation. Les tribunaux. Donc, c'est déjà quand ils commencent à parler, ce qu'ils emploient, tu n'as pas besoin de voir leur visage. Tu n'as pas besoin d'être psychiatre pour voir que ces gens sont rongés par la haine. Vous comprenez? Oui. Ce que je veux dire. Grand frère a dit, moi je n'appelle plus doyen, maintenant je l'appelle mon grand frère maintenant. Le grand frère a dit tout à l'heure là. Effectivement, tous les présidents ont échoué. Ok? Même Oufoué, même que je dis ici Oufouétiste, je peux dire qu'il a échoué parce que la corruption, c'est ça, c'est ce qui mine l'Afrique. Oui. En France, je ne dis pas qu'il n'y a pas la corruption, il y a la corruption aussi, mais pas au point de voir des ministres milliardaires qui n'avaient
fois qu'ils sont ministres, au bout de 2 ans, ils deviennent déjà milliardaires parce qu'ils achètent toutes les petites sociétés que l'Ivoirien lambda pouvait avoir. Même les marchés de nos mamans, ils achètent tout. Même les poulaillers, ils achètent tout. Mmh. Donc, on dit, mais ils ont quel problème même? Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire. Il a dirigé la Côte d'Ivoire comment? Question. A dirigé la Côte d'Ivoire en allant danser à la rue Princesse où on sait qu'il y a des. C'est un lieu de prostitution. Dans le monde entier, je n'ai pas vu un président qui l'a fait, sauf si ce n'est pas leur Gbagbo là. Leur Gbagbo de qui on parle là. Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire et puis Gbagbo a dit que l'Éternel des armées allait venir sauver la Côte d'Ivoire, sachant que la Russie lui avait vendu des armes qui étaient interdites. Et c'est sur ça qui comptait, heureusement que ça a été détruit par ces deux grandes personnes, dont un est décédé et qui a été enterré aujourd'hui, mon cousin Kassraté. Donc, qu'on ne parle pas du bilan de Gbagbo, mais Gbagbo a échoué, non seulement Gbagbo a échoué, mais ce qu'il ne veut pas entendre là, comme ça va leur faire encore plus mal, Gbagbo a échoué, Gbagbo c'est un assassin. Oui, question. Voilà, j'en ai un cas qui le dit, je confirme, c'est un assassin. Parce que tu ne peux pas mettre des Ivoiriens, leur faire croire qu'il y aura. Comme il détourne, lui dit qu'il ne détourne pas, mais il a détourné aujourd'hui le sujet, on va tous détourner. Tu ne peux pas faire croire aux Ivoiriens, aux enfants des gens, que la Russie vient, les Chinois viennent t'aider. On n'a pas vu un seul chat de la Russie, un seul chat de la Chine. Et puis ces jeunes Ivoiriens ont eu confiance en toi. Ils ont été se constitués comme des bouquets humains. Et aujourd'hui, ils sont morts devant ta résidence. Et aucun de tes enfants, ni tes petits-enfants, même ta maman qui avait plus de 90 ans, elle est morte de mort naturelle au Ghana. Donc comment on peut traiter cet homme-là? Gbagbo, c'est un assassin. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre? C'est un assassin. Il ne faut pas qu'ils vont croire que le lundi, là, demain, là, on s'en va pour le libérer de la prison. Son jugement n'est pas fini. C'est mal connaître les Blancs. Il doit répondre pour crime contre l'humanité. OK? Donc, quand on dit tous les présidents ont échoué par rapport à la corruption, on dit c'est tous les présidents, Gbagbo y compris, Alassane y compris, Oufo y compris, on ne prend pas parti. Pourquoi je ne veux pas qu'on parle de Gbagbo? Et puis, il est toujours en train d'interpeller les gens, M. Chanel. Mais le petit, là, il fait une fixation sur moi. Il fait une fixation sur moi. Je demande à ce petit chihuahua là, de l'homme à qui il respire un petit peu. Je ne suis pas sa camarade. Parce que même si je suis en face de lui, je peux le frapper. Et j'ai localisé déjà où il habite à Londres là-bas. Qu'il fasse très attention à moi. Je suis Kourmen, mais je suis Corse. Hein. Qu'il fasse très attention à moi. Que ce soit la dernière fois qu'il m'interpelle avant de commencer. Si ce n'est pas pour demander ce que Chanel Carr est passé, je ne suis pas sa rivale. Hein. S'il vous plaît, pas de menace. Non, ce n'est pas des menaces. Ce n'est pas des menaces. Ce que je dis, je peux le faire. Parce qu'aller à Londres, là, ce n'est pas des menaces. On prend le TGV ici, à la gare du Nord. OK? Comme ça, je vais voir ce qu'il a dans sa culotte, ce gamin de moins de rien du tout, cette vermine-là, qui est toujours en train d'interpeller les gens. Gbagbo a échoué. Gbagbo a échoué, il a volé l'argent des Ivoiriens, des non-parents qui sont au village, des planteurs de cacao. Il a enrichi sa famille. Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Il a enrichi sa famille. Oui. Aujourd'hui, sa famille est à l'aise avec des milliards et ses amis dehors. Oui. Vous comprenez? Oui. Et les Ivoiriens sont pauvres aujourd'hui. Donc, on dit tous les votre sujet là, lui qui dit souvent que moi je déplace le sujet. Eux, ils ont déplacé le sujet sur lui et puis sur les États-Unis. Celui des États-Unis n'a pas beaucoup déplacé le sujet, mais lui, il a déplacé le sujet. Et puis, il veut insulter les gens, il veut faire quoi qu'il n'insulte pas les gens, mais qu'il arrête d'insulter les gens. C'est lui-même qu'on va insulter. S'il ne veut pas entendre, Gbagbo, c'est un assassin. Et Gbagbo a échoué. Et Gbagbo a roulé les gens comme Afou Seta, comment ça s'appelle, l'ancien ministre là de Ouattara avait eu son débat avec le conseiller de Gbagbo sur France 24. Là. Il a roulé vraiment les gens dans la farine. Maintenant, j'en suis convaincu. Parce que tu ne peux pas... Le déchet toxique, c'était le temps de Ouattara? Question. Alors, c'est pas le même Gbagbo là qui est toujours en train d'acheter les choses pour tuer son peuple? Et on a dit que ce monsieur, il est humain. Pourquoi il n'a pas tué ses enfants? Moi, déchet toxique, j'étais au mariage de mon petit frère, mais je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Parce que ma gorge était en feu, mes yeux étaient rouges, mes boutons commençaient à sortir. Je suis venu, j'ai fait tous les examens, mais c'était le problème de déchets aussi. J'ai encore le dossier. Quand on dit qu'ils ont indemnisé les gens, là, même je peux aller en Côte d'Ivoire, ils vont m'indemniser. Mais moi, ce n'est pas 700 000 francs que j'ai demandé. Hein. Je suis désolé. Je peux aller avec mes avocats. Donc, ils n'ont pas envie d'attendre. Gbagbo, c'est un assassin. Il a fait tuer le peuple. Il a fait rêver le peuple. Comme quoi? Parce que comme tout le monde dit que la Russie, Poutine est due, est fort, tout ça. Mais est-ce que Poutine s'est élevé? Poutine s'est débarrassé de ses produits, comme on appelle, périmés. Et
il a dit la vie des Noirs ne vaut rien. C'est ce que ça veut dire. Donc, qu'ils arrêtent. On parlera de Babo jusqu'à 100, jusqu'à 200 ans, parce qu'il a fait croire qu'il a gouverné la Côte d'Ivoire, mais il n'a pas gouverné la Côte d'Ivoire. Il a fait que danser bébé, et baiser toutes les femmes, leur donner de l'argent, et puis aujourd'hui, il se retrouve à la Maca. Donc, sa place est à la Maca, à la CPI, là-bas, dans ses 7 mètres carrés. Donc, qu'il arrête de citer Samy, parce que Samy, c'est un Libanais qui est né en Côte d'Ivoire, il est chaud. Parce que tu vois, il ne s'en rend même pas compte. Le FPI, là, les Gaulois, ils sont très dangereux. C'est pour ça qu'ils ne reviendront plus jamais au pouvoir. Ils sont xénophobes. Je ne dis pas Babo, hein, mais eux, là, le partisan de Babo, là, ils sont très xénophobes. Libanais. Ils ne savent pas que c'est Libanais, là. Oufoué même a dit dans son discours, quand lui, il est né, quand il est né, là, il a trouvé les Libanais, les Indiens, les Syriens sur la terre ivoirienne. Donc, sa Côte d'Ivoire, là, hein, sa Côte d'Ivoire que ses grands-parents ont connu, là, hein, c'est les étrangers qui ont construit ça. Qui veulent ou pas, il va entendre ça dans ses oreilles. Et je demande à ce petit moment. Nous vous remercions, Mme Chaneka. Nous vous remercions. Bon. Oh. Donc, nous sommes à l'écoute. Voilà. Nous sommes à l'écoute. Alors, chers parents, amis, nous vous écoutons. Je vais rappeler un frère qui a tenté de nous joindre, mais qui bon, je pense que je vais mettre fin à l'appel. Voilà. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, frère. Bonsoir, monsieur Didier. Comment tu vas? Oh, je vais bien chez vous. Ok, ça va chez moi, mon frère. Ouais. Ok, Dieu merci. Franchement, bon, tu fais le bon sujet, mon frère. Tu vois, non, il y a des personnes qui viennent intervenir là. Franchement, ils veulent gâter tes directs, tu vois. Mmh. Alors, tes directs sont beaucoup suivis aujourd'hui. Tu vois, non? Oui. Voilà. Souvent, il y a des personnes qui viennent sur l'antenne là. Quand tu vois qu'ils sont à rentrer des moments bizarres, il faut essayer de les couper. Ou soit tu les bloques, mon frère. Il ne faut pas qu'ils vont salir ton image à cause de leurs paroles bizarres. Oui. Tu vois, non? Mmh. Le jeune qui vient mener les gens chaque fois, il faut essayer de lui prendre en privé, tu causes avec lui tranquillement. Faut pas y voir venir faire ce genre de trucs sur les réseaux sociaux. Tu comprends, non? Oui. Lui, il n'aime pas Gbagbo que toi. Lui, il n'aime pas Gbagbo que toi. Mm-hmm. Voilà, il n'aime pas Gbagbo que toi. Oui. Lui-même, il n'aime pas Gbagbo que personne, non, si vous ratez des Ivoiriens. Tu comprends, non? Mm-hmm. Je vais parler d'un sujet. En tout cas, tous les paysans ont échoué. Mais lui, Babo, lui, de qui, on ne peut pas dire que lui, il a échoué. Question. Faut enlever le nyawa-nyawa dans ton pays. Si toi-même, tu t'en prends poison maintenant pour venir empoisonner les gens, tu es plus que le criminel dans le pays maintenant. Toi, le président, comment il fait qu'on parle de ça? On va parler de ça. Mmh. Hein? Mmh. Je suis doctrice là, on ne peut pas dire qu'ils t'ont forcé pour te donner ça. Tu viens mettre ça dans ton pays, ils ne t'ont pas forcé. Il y a des pays qui ont refusé. Mmh. Mais si toi tu as pris ça pourquoi? Question. Tu sais bien le bel que c'est poison. Tu as pris ça pourquoi? Est-ce que les blancs t'ont forcé? Question. Ils ne t'ont pas forcé. Mmh. Mais quand les blancs même voient ça, mais ils vont dire merci, ils sont des bêtes, ils vont jouer toujours avec nous. Mmh. Les microbes ne sont pas mis des toxiques. Question. C'est pas les vrais poisons. Poison là, ça va tirer qui? Question. Ça ne partait pas. Si ça là, ça sortait maintenant pour aller dans les autres villes, qui allait rester, mon frère? Question. Babo, il est trop. Babo, même, il a échoué, même que tous les présents en Côte d'Ivoire là-bas. Même si c'est à l'école, il y a des, pendant BBC, il y a des élèves qui ont eu 100%, il y a des classes qui ont eu 100%. Mm-hmm. BBC, à Bassi, Babo, Laurent. Mm-hmm. Diplôme ivoirien n'était pas connu.
sur Babo Laurent. C'est quoi, il ne fait pas grandir. Question. Ils n'ont qu'à essayer de respecter, ils n'ont qu'à essayer de respecter les gens un peu. Quand on parle que les prisons échouées, on parle des maires. Les maires, là, ils tous sont des voleurs. Il faut qu'on vote des lois pour pouvoir poursuivre les maires. Un maire, tu fais 5 ans, 2 mandats, là, on doit t'enlever. Tu ne dois plus présenter encore 3e mandat. C'est ce qu'on doit faire les maires ivoiriens. Oui. À les maires ivoiriens, c'est ce qu'on doit le faire. 5 ans, tu n'as rien foutu là, tu ne dois plus présenter ta candidature encore. C'est ce qu'on doit donner, on doit présenter aux maires là. Les maires font rien en Côte d'Ivoire, c'est leur volet. Oui. Un gars comme Bracano qui est décédé là, Bracano, il était parmi les 7 milliardaires en Côte d'Ivoire. Parmi les 7 milliardaires, le maire de l'ancien maire de Daloa. Daloa est goudronné sur papier. Tout le monde le sait. Mais Bracano, il a des maisons en Europe ici. Tout le monde le sait. Il a fait quoi en Côte d'Ivoire là-bas? Il n'a rien foutu à Daloa là-bas. Tout le monde le sait ça. C'est la réalité pure. Les maires, on doit les pousser, mon frère. Oui. Donc, si les gens viennent gâter vos directs, il faut essayer de les couper. Oui. Ils vont venir injurer les gens. Donc, vraiment, c'était ma part de participation. Merci beaucoup. Ok, nous vous remercions, frère, pour votre très brillante intervention. Merci. Alors, je pense que on va mettre fin au direct. Il se fait déjà tard. On a commencé tard et il est déjà tard. Donc, nous allons stopper le direct. Demain, peut-être, on commencera vite parce que c'est un autre jour. Bon, je vais décrocher un là. Un frère. Bon, personne ne parle sur les maires, je comprends pas. Hein? Ah, pourtant, les maires sont là. Allô? Oui, ça va très bien. Vous m'entendez là? Oui, on vous écoute, frère. D'accord, merci, merci. Oui. Donc, je voulais rebondir à propos de votre, sur votre intervention aujourd'hui. Oui. Donc, on parlait de Alassane, Ouattara et de Gbagbo, et puis ils ont échoué. Bon, moi, à mon avis, je pense que les Ivoiriens attendait beaucoup, 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 beaucoup de Gbagbo. Mais par rapport à Alassane Ouattara, nous, les Ivoiriens, on n'attend pas beaucoup de lui. Donc sur ce point-là, le jeune Gbagbo a échoué parce que les gens comptaient vraiment beaucoup sur lui. Moi, bon, si c'est Alassane Ouattara, on n'attend pas vraiment beaucoup de lui. Donc, autour de un, et puis maintenant, il reçoit d'autres sortes d'impôts et puis de taxes sur le terrain. Donc, c'est comme ça que l'argent vient de la caisse des mairies. L'argent que eux ils perçoivent là, non. Le problème qui se passe en Côte d'Ivoire, non, c'est que, et puis dans les pays francophones, c'est que c'est au niveau du trésor. Si vous suivez bien comment le trésor, ça marche. Quand l'argent vient au trésor, là, ça ne part pas directement dans la mairie. C'est-à-dire que la mairie va encaisser l'argent. L'argent ne reste pas à la mairie, non. Cet argent-là va être centralisé au trésor. Ce même trésor-là va envoyer 50% de l'argent là-bas en France pour que ça travaille. Donc, après maintenant, c'est l'État qui renvoie l'argent. Nous-mêmes, on se rappelle ici qu'il y a beaucoup de maires qui se plaignaient. Par exemple, dans les années 95, même 96, 97, même au temps de Bédier, les gens disaient, mais pourquoi est-ce que les mairies ne perçoivent pas le budget? Tu vois, non. Et même des mairies comme la mairie, par exemple, tu vois, la mairie de Gagnoua. Par exemple, le maire était maire pendant 1 an et demi. Il n'a pas touché le budget jusqu'à 1 an et demi. Donc, il a fait une fête même dans la ville de Gagnoua pour fêter le budget de la mairie de Gagnoua. Et le budget de la mairie de Gagnoua n'est même pas plus élevé que le budget d'un simple magasin de Libanais qui est à Djamé. Est-ce que vous vous rendez compte? Oui. Le budget de la mairie de Gagnoua à l'époque n'était même pas plus élevé même qu'un simple business qui est à Abidjan. Donc, comment avec ça, vous voulez qu'on puisse faire développer nos villes, ou bien si même 1 mètre carré de goudron, mais ça coûte cher. Ça coûte des centaines de mille, t'imagines, si tu fais des kilomètres de goudron, mais là on parle de milliards. Est-ce que nous, nos mairies là, est-ce que les taxes que les gens payent dans par exemple au marché, les patentes et autres, est-ce que ça peut construire goudron? Ça peut pas. C'est parce que en plus même si l'argent même moins, même si on pouvait augmenter
Je dis, si on pouvait augmenter même les taxes pour que la mairie ait plus d'argent, normalement, ça devrait marcher, mais ça n'a pas marché dans les pays africains francophones parce que cet argent-là, non, 50% du franc CFA, ça va travailler en Europe d'abord, avant de revenir. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le président Ouattara a dit. Il dit l'argent travaille. Mais il n'a pas dit l'argent travaille où? L'argent travaille en France. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il n'y a pas l'argent en Côte d'Ivoire, parce que l'argent travaille là-bas. Ça leur permet d'avoir plus d'argent, plus d'accès. Comme ça, ils peuvent faire du prêt, ils peuvent prêter de l'argent. En Côte d'Ivoire, par exemple, les générations de ceux qui sont dans les années, disons, 40, 50, 30, ceux-là, ils sont allés faire des études dans les pays développés. Quand ils sont revenus en Côte d'Ivoire, ils avaient accès au prêt. On dit non, toi, tu as tel diplôme, disons, toi, tu es docteur, tu veux ouvrir une clinique, on te donne un prêt. Mais est-ce qu'on fait ça maintenant? On ne fait plus ça. Ça fait plus de 20 ans, plus de 30 ans, on ne peut plus faire ça. C'est ce que je vous dis là. Donc, c'est pour ça que notre système n'avance pas. Parce qu'on est relié à la France. Et la France, eux, ils veulent nous garder dans l'ignorance. Nous mettre derrière. Et ils sont en train de blâmer les maires. Les maires, eux, ils ont quoi? Et puis, même, on parle de maison. Une maison en France, ça coûte combien? Question. Même si tu as 1 million de dollars là, disons même, disons que tu as 1 million de dollars là, ça va construire. Ça ne peut pas faire 1 km de goudron. Vous voyez, donc c'est compliqué. Nous, on se dit que, par exemple, nous, nos présidents, ils ne sont même pas riches, ils sont pauvres, en fait, même. Ils sont tous des pauvres. Quand ils viennent ici en Europe, là, on les prend pour des pauvres, pour des moins que rien. Ce sont des gens qui n'ont rien. Même le président Ouattara, devant les Blancs, il est pauvre. Vous voyez, il est obligé de distribuer l'argent de son peuple pour se faire respecter. Sinon, là, il est pauvre. Eux, pour eux, il est pauvre. Le noir n'a pas de valeur. Et c'est parce qu'on n'accorde pas de valeur à nous-mêmes. Et c'est pour ça que je dis, si nous, nos mairies, normalement, si on avait un système où l'argent était gardé à la mairie, où il y avait des coffres-forts à la mairie, où l'argent là, que la mairie récupère reste là-bas, là. Là-bas, la mairie, et puis on pouvait travailler avec ça. Et puis c'était transparent. On sait combien ils ont gagné, c'est publié. Il faut que chaque mairie ait un journal. Donc on publie. Et puis on vend ça peut-être à 50 francs sur papier. Là, on sait combien ils ont gagné chaque semaine, combien ils ont dépensé, tout et tout, pour qu'on suive. Mais il n'y a pas de suivi. Tout est dans le flou. Un manque total de transparence. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont les voleurs. Et ceux qui n'aiment pas la transparence, ce sont les voleurs. En effet, on a raison qu'on dit qu'ils sont tous corrompus. Non, mais ils ne peuvent pas. Parce que le système n'est pas bon. Le système est flou. Il faut de la transparence. Donc, c'est ce que moi, je voulais vous expliquer par rapport au sujet des maires, là. Merci, monsieur. Ouais. OK. Alors, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dédé. Oui. Moi, d'entrée de jeu, je voulais dire. Vous m'entendez ou bien ça fait écho? Oui, on vous écoute. Ah ouais, d'accord. Moi, d'entrée de jeu, je veux dire à cette Chanel Car, cette vieillerie de Chanel Car. S'il vous plaît. Elle là. S'il vous on plaît. On va refaire son éducation sur le net. S'il vous parce plaît, que pas elle de. Passage. Pas de. Non, c'est pas une injure, c'est une vieille, elle a dépassé les 50 ans. Non, c'est pas ça. Non, ce n'est pas à vous de le dire. Mais elle le sait, mais si on ne le dit pas, elle ne va pas changer, c'est parce qu'on l'aime bien. On veut qu'elle change. C'est pas normal qu'une femme, on ne sait même pas, ce spécimen, qu'elle se permet de s'exprimer comme ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde la connaît. De toute façon, elle sait ce qui s'est passé. Elle est Johnny Pacheco. C'est Johnny Pacheco, elle le draguait à l'époque. C'est lui qui a mis son drap sur les réseaux sociaux. Non, elle n'a qu'à se calmer. Moi, vraiment. Et puis, c'est une grosse menteuse. Elle dit qu'elle connaît les gens qui habitent à Londres. Tu connais rien. Moi, je suis dans un pays là qui est nettement mieux que son pays qu'on appelle la Corse ou bien même la France là. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Au pays d'accueil, c'est nettement mieux que où elle vit dans son trou à rats. Donc, bon, bref, je ne voulais pas trop m'attarder là-dessus. Vous dites quoi? En Côte d'Ivoire, là, franchement, quand tu analyses tout ça, hein, les Ivoiriens, là, les Africains en général, je pense que. Je vais te choquer un peu, mais c'est la dictature qui marche à eux. Et regardez un documentaire tout récemment,
il y a au Kagame, le président du Rwanda, je crois, qui fonce, je crois, chaque trois semaines dans le mois, enfin chaque mois, une fois dans le mois, il force ses habitants à aller nettoyer la rue. Ça, on n'a pas besoin d'attendre le maire. Et c'est comme ça, au temps des gays, là. Je me rappelle à l'époque, on nettoyait les rues. Et les Africains, là, parce que tu vas aller voter des lois, tu vas faire des trucs, les gens ne vont jamais respecter. Les Africains, en général, on est anti-loi. C'est-à-dire, tu vas leur dire, faut pas pisser autour des murs. Les gens vont se mettre à pisser. Ils vont voter des lois. Non, faut pas faire, comment on dit ça, la circoncision des enfants. Ils vont le faire. Mais franchement, moi, j'ai pas trop gros trucs à dire. Sinon, tout ce que les gens ont dit, là, en partie, ils ont raison. Mais franchement, les Africains, ce qui marche à eux, là, c'est la force. Voilà, c'est ce que je voulais dire en partie. C'est un triste constat. Okay. Mais avec vous, c'est vraiment la force. Ils vont mettre un maire, quelle que soit sa bonne volonté, mais les gens ne vont jamais l'écouter. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai pas trop gros truc à, grand truc à dire, mais c'est ça. On vous remercie, frère. Pas de souci. Bonne soirée, monsieur Guillaume. Merci à vous. Allô? Allô? Oui? Oui, rebonjour, monsieur Didier. Oui, bonsoir. Oui, rebonsoir plutôt, excusez-moi. De rien, c'est même fait. Je suis vraiment désolé de voir ce dérapage qui se passe dans votre noble émission, oui. N'est-ce pas? Oui. Vraiment, vous avez créé une plateforme où vous nous permettez, vous nous avez permis de nous exprimer. Et malheureusement, il y a des dérapages qui rentrent dans les 6 mètres carrés des gens. Oui. Ça veut dire, vous avez dit que c'est le jeu de la démocratie. Mais dans la démocratie, il faut quand même avoir un peu de politesse. Oui. N'est-ce pas? C'est important. Il faut savoir se faire respecter. Oui. En cela, je demande à tout un chacun de vraiment de se retenir un peu dans leur langage et de savoir prendre la hauteur. Je tiens à ma frangine Tchanelka de ne pas répondre, de se mettre au-dessus de tout ça, qu'elle garde sa dignité. Et puis, désormais, il faudrait éviter de répondre à des gens qui lancent des piques et des attaques, parce que ça ne fait que les encourager dans ce domaine-là. Et c'est pas le but, c'est pas le sujet. Vous comprenez? Alors, donc, ça ne sert à rien. Okay. Et à mon frère Samy qui est aux États-Unis, oui. Je dis mon frère parce qu'il est ivoirien comme moi, hein. Ok, moi je ne le considère pas comme un Libanais, au fond, mais comme Chanel Kanati bien dit, au fond, il nous a fait comprendre qu'avant sa naissance, les Libanais existaient en Côte d'Ivoire. Oui. Les Libanais sont en Côte d'Ivoire depuis 1700-1800, oui. Avant que la Côte d'Ivoire ne soit en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a été créée devant les Libanais. Donc, aucun Libanais, il y a des Libanais des 4-5 générations en Côte d'Ivoire. Mmh. C'est pas parce qu'ils sont blancs de peau qu'ils sont pas ivoiriens. Mmh. Ils sont autant ivoiriens que nous. Alors donc, Samy, s'il intervient dans ton émission, sur ta plateforme, c'est parce qu'il se sent ivoirien, il se sent concerné. Sinon, qu'est-ce qu'il allait foutre avec les problèmes de la Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il a l'amour de la Côte d'Ivoire, il parle de la Côte d'Ivoire. Oui. Ok, s'il n'avait pas l'amour de la Côte d'Ivoire, jamais il se serait intéressé. Et puis il a le droit de donner son opinion. Oui. Respectons son opinion. Hein, on n'est pas obligé d'avoir tous le même langage. Alors, c'est pour ça que je lui dis vraiment, Yako, et puis et chapeau pour lui qui continue toujours à s'inspirer, à s'exprimer. Maintenant, je termine pour dire que je reviens. Cette histoire de pour régler le problème en Côte d'Ivoire, il faut que. Il y a vraiment une éducation. Il faut qu'on fasse vraiment reviser notre éducation. Et notre éducation, c'est tout le monde. Hein. C'est vrai que j'ai tapé sur les autorités, l'administration et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est nous-mêmes d'abord. Je viens d'écouter le frangin qui a parlé de la France, la France, la France. Mais avant de parler de la France et de parler des autres, mais pourquoi il ne s'accuse pas lui-même? Il a regardé autour de lui. Il ne voit pas ses frères, ses cousins. Ses oncles, il n'a pas un parent qui est dans l'administration. Il n'a pas quelqu'un qui prend de l'argent au détriment de quelqu'un d'autre. Nous avons une mentalité ivoirienne qui fait qu'on ne peut pas avancer. Nous ne respectons rien. On ne paye pas d'impôts, on ne paye rien. Nous sommes désordonnés. C'est nous-mêmes notre propre mal. Il faudrait qu'on révise notre éducation. Sinon, rien ne pourra avancer.
Aujourd'hui, on prendra un de nous pour pouvoir mettre ministre, il fera la même chose. On prendra un de nous pour pouvoir être directeur, on prendra la même chose parce qu'il n'existe pas de répression. On ne prend pas quelqu'un, on ne le met pas en prison parce qu'il a volé. Il a volé, on le laisse en paix. On dit ça ne fait rien. Voilà d'autres qui sont au Ghana là-bas avec des milliards. Voilà d'autres qui sont en train de voler sur le règne de Ouattara. Demain, ils vont partir, ils auront des milliards, on ne va rien leur faire. Vous voyez, quand on a des comportements comme ça, des règlements comme ça, c'est normal que chacun passe et se sert et s'en va. Mais le jour où on va commencer, hein, j'ai ouï dire qu'on a donné, on donne 2 500 000 maintenant aux députés. Mais quelle est cette bêtise-là, comme salaire? 2 500 000, est-ce que c'est, ils sont venus pour s'enrichir ou bien pour travailler pour le pays? Question. Vous voyez des situations comme ça. Ah, donc c'est tout ça, c'est nous qui encourageons ça. C'est nous, les Ivoiriens d'abord, avant de parler des Français, avant de parler des étrangers, avant de parler des Libanais, avant de parler de qui que ce soit. C'est d'abord nous, les Ivoiriens. Le jour où nous allons changer de mentalité et nous allons comprendre qu'il faut prendre conscience pour développer et pour faire des mesures d'austérité, n'est pas effectivement faire des gabegies n'importe comment, alors là, je crois que le pays va se redresser. C'est ce que je voulais dire pour le dernier mot. Ok, nous vous et puis, bonne soirée. Ouais. Merci. Allô? Yolo, bonsoir, chef, ça va? Bonsoir, frère, comment allez-vous? Ouais, tranquille, et vous? Ouais, je vais bien. Ah, vraiment, je vous suis tout le temps à votre direct, vraiment. Je ne sais pas comment vous remercier, mais vraiment, vous êtes un homme magnifique, vraiment. Parce que, comment on appelle là? Ce que vous dites, hein, c'est de la pure réalité, tu vois? Tu sais, le problème de la Côte d'Ivoire, ce que le monsieur a dit là, c'est vraiment très important pour tout le monde, tu vois. Arrivé un moment, il faut laisser tomber les trucs en avant sur le pays, tu vois. Pas à coup d'une seule personne que tout va s'arrêter, quoi. Il y a des gens qui sont morts, bah, vous n'êtes pas mieux que eux. Oui. Et personne, il est foutu, tu vois. Oui. Donc dans la vie, quand il arrive un truc, il est mort. Bah, lui, il vit. Voilà, donc dans la vie, il faut qu'on essaie de se donner la main pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, le pays en avance, tu vois. Donc Zazo, ils disaient la vérité. C'est vrai, les gens disent qu'il change, il vient, c'est vrai. Mais arrivé un moment, c'est vrai. L'homme, là, quand tu vois que tu ne t'arranges pas, tu changes de direction, c'est clair. Personne ne veut aller où il y a danger, c'est clair. Eux qui parlent ici, call, mais eux, tu viens de bon, disent quoi si c'est pas la haine. Pas de quoi. Ce sont pas des enfants. On veut que la paix règne en Côte d'Ivoire, on veut que la Côte d'Ivoire soit tranquille. Nos enfants qui sont là-bas, nos frères qui sont là-bas, ou plus que la guerre qui a passé là. Si il recommence, tu comprends, frère? Oui. Il sait de quoi il parle, frère. J'ai été un ex-combattant. Il sait de quoi je parle. On ne veut plus que ça arrive parce que je sais de quoi je parle. Parce que si ça commence, ce n'est pas bon. Et il parle, mais il y a des gens qui ne parlent pas. Ils sont en Côte d'Ivoire. Mais si ça commence, ça ne serait même pas bon. Et les corps, là, quand tu calcules, là, tous ceux qui disent sur corps, ils sont couchés en France ici. Tu comprends ou pas? Oui. Ils sont couchés ici. Pourquoi ils ne font pas comme l'autre aller à Pitien, aller parler, à faire du corps là-bas? Question. Voilà, donc ils ont qu'à arrêter les bêtises, ils ont qu'à s'asseoir ici, ils ont qu'à vivre des RSA, ils ont qu'à laisser les gens en paix. Non, oui, que notre pays devient un pays, mais les gens, on veut que nos petits frères vont à l'école, ils arrêtent, pour qu'on ne veut plus attendre bruit des armes, on veut la paix définitive. Babo, c'est un Ivoirien, il est en prison, ça ne plaît à personne. Et ce qui est arrivé, est arrivé. Donc, arrivé un moment là, il faut qu'on essaie de faire le truc que l'accord va avancer. Est-ce que vous comprenez? Le monsieur, il fait effort, il a libéré des gens, il essaie de faire tout, c'est vrai. On peut ne pas l'aimer, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avance, c'est clair. Voilà, donc il faut vraiment, vraiment, la dame, elle a parlé, vraiment, ça m'a vraiment touché. Voilà, beaucoup plus, moi-même, j'aime pas appeler, en fait, j'aime beaucoup écouter, j'aime pas. Voilà, je dis aujourd'hui, il faut que j'appelle pour parler un peu, tu vois. Oui. Voilà, c'est clair, sinon, c'est parce que non, on se connaît très bien. Voilà, je veux pas trop, mais. Montrer, tu vois, comme ça, tu sais là pourquoi je l'ai dit, ils ont qu'à laisser tomber cette affaire. Donc, ceux qui partent de la haine, là, quand ça va faire beau, là, ils seront jamais là. Voilà, ils seront jamais là. Il faut qu'ils arrêtent à faire des haines. La haine n'arrange jamais rien. Le monsieur, il a des mandats, il va partir, il a fini, là, bientôt, il part. Donc, aujourd'hui, il faut qu'ils se mettent ensemble pour faire le foutu.
Voilà, mais si vous, vous ne voulez pas, vous êtes là pour les quitter. C'est vrai, vous pouvez les quitter, mais il faut que vous sachiez un truc. Vous dites, vous avez vos frères au pays, vous avez des enfants au pays, vous êtes couché ici, vous êtes loin de votre pays. Si le pays brûle, là, l'Assemblée peut se sauver et les autres. Question. Il faut qu'on réfléchisse quand même. Ils arrêtent les haines là, et on est capable de se donner la main, puis on avance, frère. C'est passé, tu vois. Voilà, ils ont qu'à laisser tout ça. Hein. Vraiment, vraiment, tu remercies pour tout ce que tu fais. Vraiment, que Dieu t'aide à continuer ce que tu fais, vraiment. Que Dieu nous protège, tout ce que Dieu protège, la Côte d'Ivoire. C'est qui? Parce que moi, j'ai remarqué un truc pour remarquer, frère. Je te dis, hein, tous ceux qui font les guerriers, c'est des gens, ils n'ont jamais vu la guerre de leurs yeux. Ils sont restés en France ici, les trucs se sont passés derrière eux. C'est eux qui sont en train de monter des trucs. Ils étaient en Côte d'Ivoire quand ça a commencé, ils ont fui. Les gens qui n'avaient pas de transport pour sortir, il y a eu des victimes. Il y a des gens, mais ils ne savaient même pas comment ils mangeaient. Donc aujourd'hui, vous êtes en exil, vous êtes en train de dire des trucs. Quand c'est comme ça, tu fais quoi? Pour moi, pour un homme qui est en colère, tu t'énerves, tu retournes dans ton pays, il va défendre ce que tu dis. Là, tout le monde sait que vous êtes là, on est prêt à aller au charbon avec tout le monde. Mais si vous êtes couché en France, vous rébellez les enfants des gens, non, on est go, rien, c'est le go qui va construire le pays. Il faut qu'on avance. Ok, on vous remercie, frère. Merci, frère, vraiment, je te remercie. Bonne chance, courage. Merci à vous. Allô? Oui, bonsoir. Oui, Guillaume, bonsoir. Oui. Comment ça va? Ça va bien chez vous? La santé, ça va? Oui, ça va bien. Merci. La dernière fois, j'avais parlé d'éducation. Quand je parle d'éducation, ce n'est pas une affaire d'école. Quand je parle d'éducation, au temps de vous boigner, après le journal ou bien avant le journal, il y a une phrase qui passait. Et je fais bien faire pour mon pays ce que je dois. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. L'Ivoirien, comme il y a un professeur qui vient de le dire, les gens n'ont aucun respect pour la loi. On ne paye pas nos impôts. Nos voitures ne sont pas en règle. On ne va pas au travail à l'heure. Et quand on va au travail, les efforts qu'il faut fournir, on en fournit peu. Mais quand on n'a pas fait sa part, comment on peut exiger quelque chose de l'État ou bien d'un élu? Question. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens n'ont aucun respect pour nos propres lois. Et on passe tout notre temps à rejeter la France, la France, la France. C'est pas la France, c'est nous-mêmes d'abord. Oui. C'est nous-mêmes d'abord. Quand on n'a rien fait, on ne peut pas attendre quelque chose de l'autre. Il faut faire ça. Pas. Quand tu finis de faire ta part, tu attends maintenant. Oui. Vraiment, c'est malheureux. C'est malheureux, c'est malheureux. Je pense que vraiment, les gens doivent comprendre ça maintenant. Oui. Les gens doivent comprendre ça maintenant. Vous voyez, nous, on est au pays ici. Vous prenez la route une fois, vous allez voir les corabliers qui sont arrêtés. Aucun véhicule n'est en règle. Les gens ne payent pas la patente. Les véhicules ne sont pas assurés. Eux-mêmes, ils ne sont pas assurés. Il n'y a pas de visite technique sur les trucs. Oui. Mais on ne peut pas dire à l'État, fais des routes, fais des écoles, construis des hôpitaux, électrifier les coins. Et puis nous-mêmes, on n'est pas en règle. L'État va prendre quel moyen pour faire ça? Question. C'est ce qui pousse l'État à aller prendre les crédits à gauche, à droite. Parce que c'est ce que nous-mêmes, on doit mettre à la disposition de l'État pour qu'il fasse ce travail, on ne fait pas. Donc les gens sont obligés d'aller prendre, d'aller s'endetter. Oui. Donc, que les gens comprennent. Et puis, je voulais lancer un appel à nos frères qui sont sortis de la Côte d'Ivoire, qui sont allés, entre parenthèses, se chercher dans les autres pays. C'est vrai que vous êtes là-bas. Mais vous devez, de votre position, participer à la réconciliation nationale. Le pays a traversé une crise depuis 90, depuis 1990. La Côte d'Ivoire est dans une situation qui n'est pas bien. L'atmosphère n'est pas bien. Quand on est dehors, il ne faudrait pas qu'on pense qu'on est dehors, on va essayer d'allumer dedans ici, on n'est pas concerné par les effets collatéraux. Évitons ça. Tu n'es pas ici, au moins tu as un parent au pays. Tu as une connaissance au pays, même si tu n'es pas ici. Donc, tout ce que vous devez dire, ça doit envoyer les gens vers l'apaisement. Chacun de nous est ivoirien, chacun tient à son pays.
que tu sois du RDA, que tu sois du PDC, que tu sois du FPI, du MFA, de n'importe quel parti politique, que ce soit ton parti qui soit au pouvoir ou pas, l'essentiel, c'est l'évolution du pays, le bien-être des populations du pays. Il faut penser à ça. Tant qu'on ne pensera pas à ça, que chacun va rester dans son coin, c'est la haine qui va grandir dans le cœur. Et ça, ce n'est pas fait pour arranger les choses. Personne n'a intérêt à ce que ce pays-là s'écroule. Donc, c'est ce que je voulais dire. Pour que les gens soient modérés, qu'ils évitent de s'insulter, ce n'est pas ça la solution. S'insulter, ce n'est pas la solution. On vous remercie. Ce n'est pas la solution. Merci bien. Allô, Maître Samy. Rebonsoir encore, hein, Monsieur Josué. Oui, rebonsoir, Maître Samy. Vraiment, je viens de découvrir quelqu'un là. Il y a un monsieur qui est intervenu, je crois, deux fois. Et ça fait la deuxième ou la troisième fois que j'écoute ce monsieur. Je crois que quelqu'un m'avait dit dans les commentaires que c'est le doyen ou quelque chose. Oui. Ce monsieur est très lucide, très brillant. Et c'est quelqu'un qu'il faudrait encourager à rester dans votre, sur cette plateforme, afin qu'il puisse apporter sa sagesse chaque fois. Oui. Chaque fois qu'il intervient, ça fait deux ou trois fois que je le prends en cours, là, et chaque fois qu'il intervient, il fait vraiment de grands points. Oui. Bon, maintenant, vous demandez à ce qu'on intervienne un peu sur les mairies et tout ça. Donc, ce que je voulais apporter sur ce point-là, concernant les mairies, il faut vraiment que ça soit fait soit par les instances de la République, soit par les populations. Il faut que ça soit demandé. Il faut qu'on demande des audits, il faut qu'on demande des points. Ça veut dire qu'à chaque trimestre ou bien à chaque... Allô? Il paraît qu'il y a un petit souci de réseau de son côté. Mais nous allons... rappeler pour voir. Je pense que ça sonne. Ouais, ça sonne. D'accord. Est-ce qu'il est là? Bon. Peut-être il a un souci. Donc, s'il est prêt, il peut... Il peut essayer de rappeler. Bon. Je vais essayer de prendre une ou deux personnes comme ça. Et on va voir la suite si on doit stopper ou pas. Il y a d'autres qui ont essayé de nous joindre. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Guigui. Oui. Comme je l'avais dit tout à l'heure, oui. Moi, j'ai dit, je ne réponds pas à ce qui n'est pas trop important, mais ce que je veux te dire, là, je dis, moi, c'est un vœu, hein, j'ai écrit, mais peut-être tu n'as pas dit, je dis, c'est un vœu. Oui. Si tu. Voilà, aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour faire le bilan de quelqu'un. Je dis, quand tu vas dire clairement, oui. Les auditeurs, voilà le bilan de. Venez comparer le bilan de Ouattara et le bilan de Gbagbo. Ce jour-là, peut-être que le débat aura lieu. Mais là, moi, où je suis aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire le bilan de quelqu'un. Je suis là pour faire le bilan des maires. Tu comprends, non? Je suis là pour faire le bilan des maires. Et puis, comme les autres l'ont dit, il faut recadrer le débat. C'est pas, moi, je n'injurie personne. Quand moi, je prends mon débat, peut-être que je réponds aux gens pour recadrer un peu. Sinon, je n'insulte pas. Voilà. Oui. Donc, je te dis bien attention parce que aujourd'hui, tu es à 80. Hier, au jour du travail où les gens travaillent, tu étais à 100 et quelques. Si tu ne fais pas attention, tes auditeurs vont diminuer un peu. Donc, quand les gens parlent, ils insultent pour commencer à recadrer déjà. Okay. Voilà. Mieux vaut perdre une personne que tu perds 10 personnes. Voilà. Ok, ça va. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire au niveau de. Bon, M. Samy, les gens le chahutent. Hein. Les gars le chahutent. Il ne faut pas que les gens prennent ça au sérieux parce que dans les gars, là, il y a Elie Alassou qui est libanais. Il y a Sam, l'Africain, qui est libanais. J'ai mon ami docteur Atier, qui est à San Pedro, qui a une clinique là-bas, qui est libanais. Donc, ils sont en train de le chahuter. Il ne faut pas que les gens prennent ça vraiment comme un machin. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas pour tuer quelqu'un, ni pour... C'est un chahut. Voilà. Donc, je passe rapidement.
franchement, donc, au niveau des mairies, comme je l'ai dit, comme les autres l'ont dit, c'est une question de sensibilisation. Il faut que les Ivoiriens soient sensibilisés. On a dit les maires, quand les partis politiques envoient les maires, on dit non, non, votez tel maire parce que soit le président va lui donner un machin ou bien les gens viennent avec la bannière politique, un parti politique ou bien, c'est vrai, un parti qui est au pouvoir a besoin de mairies pour pouvoir se donner bonne conscience ou bien bonne chose. Mais les maires sont des agents de développement. C'est pourquoi quand les partis politiques viennent, moi, franchement, je n'aime pas les gens qui viennent les partis politiques. Macron n'a pas de parti politique, mais il a été élu. Mais en Afrique, on a ce... Tant qu'on ne va pas se départir des positions tranchées du parti politique, ça ne va pas aller. Parce que même si le maire, il vient, il va compter sur les gens qui ne vont jamais changer leur position. S'ils sont gore, ils vont rester... S'ils sont RDR, ils vont rester RDR. Quoi qu'on dise, l'Africain, c'est comme ça. C'est en Europe, quand on vient un peu, on essaie de s'ouvrir au monde, et puis on dit, bon, on regarde, on lit les projets des sociétés. Mais en Afrique... Les gens ne regardent pas ça. Les gens regardent leur parti politique. Non, si on ne vote pas dedans. Je dis, si on se départit de nos partis politiques et qu'on regarde vraiment le développement et qu'on suive. Parce qu'il y a un moment, moi, j'avais vu, comme tu es à Makouri, moi aussi, j'étais à Makouri dans les environs de la pharmacie des Lagunes, au résidentiel, là. Je connais la pharmacie des Lagunes. Il y a ma cousine qui travaille là-bas même. Ok, donc j'étais dans les environs. Donc, je me dis, quand tu es un maire, quand tu veux vraiment que les gens t'accompagnent dans ton développement, il y a des communautés. Oui. Tu vois, non? Bon, c'est pas, on n'est pas là pour faire la campagne, mais il y a des communautés que tu mets à la tête de chaque communauté. Tu responsabilises chacun. Comme ça, lui aussi, il sensibilise sa communauté pour dire, bon, on va accompagner le maire. Voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire. Et à la fin, tu les rémunères un peu. Et puis à la fin, toi, le maire, tu fais ton bilan. Les chefs de communauté font leur bilan. Et puis on avance. Mais si tu veux, si le maire veut centraliser tout, il ne peut pas s'en sortir. Parce qu'il y a des maires qui veulent couper, qui veulent. Bon, aujourd'hui, les gens, ils veulent centraliser tout sur eux. Et puis bon, après, ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. Ils ne sont même pas dans la commune, même donc ils s'en foutent. Le gars, il vit à Cocody, quand il y a le mariage, c'est son agent, le premier agent, bien le deuxième agent, mais il n'est jamais. Il vient seulement que peut-être quand il y a le bilan à faire. Tu vois, quand le bilan de l'exercice a fait, c'est là qu'il vient. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, il faut que nous, les Africains, sinon les Ivoiriens, il faut qu'on soit lucides. Il ne faut pas qu'on se... Au niveau des mairies, surtout, au niveau des députés, il n'y a pas de problème, mais au niveau des mairies, il faut qu'on se départisse de nos partis politiques pour que, vraiment, on puisse avancer. On puisse avancer. Et puis, la brigade, parce que, c'est vrai, il y a la... Comment on appelle la police municipale. Il faut vraiment porter la police municipale d'une loi claire et nette. Quand ils doivent sévir, ils doivent sévir. Et que vraiment la corruption soit vraiment combattue. Parce que tu vois les agents municipaux de la police municipale, on les a voir. Souvent même quand ils prennent les marchandises des femmes, parce qu'ils ne sont pas à règle, les gens se plaignent. Ils vont en communauté pour chez le gars, chez le maire là-bas, on t'a élu et tu ne veux pas, parce qu'elle n'a pas payé la patate aujourd'hui, tu prends ses bagages. Entends, c'est ça qu'il va prendre pour quand même apporter le développement. Et puis quoi qu'on dise, il faut qu'on sache ce que la mairie fait et ce que l'État doit faire. Parce que dans une commune, il y a la rue, il y a une voie, il y a des voies qui reviennent dans le domaine de l'État, et puis il y a les voies qui reviennent dans le domaine de la mairie. Ça veut dire, tout ce qui est dans la mairie, c'est pas le maire qui doit bitumer, c'est pas le maire qui doit arranger. Non, il y a des voies principales que tu dois, que le maire doit, enfin il y a les voies principales que la mairie, l'État doit arranger. Et puis il y a les voies secondaires qui rentrent dans les petits quartiers que les maires doivent arranger. Mais tout ça aussi, il faut nous-mêmes notre éducation. On ne mange pas la banane pour la jeter dans la poubelle, dans le caniveau. Non. Le maire n'a pas besoin d'éduquer sur ça. Tu vois, il faut vraiment une éducation et puis il faut une sensibilisation pour que vraiment les maires s'en sortent et qu'on leur donne les moyens. C'est vrai qu'ils paient, les gens, ils s'en vont collecter les taxes sur le marché, sur les bâtiments et tout, comme l'autre l'a dit, mais pas directement reversé dans les caisses de l'État, de la mairie, qui sont d'abord aux impôts. C'est quoi? Le maire a vraiment, au niveau des recettes là, le maire a un représentant aux impôts là-bas. Eux aussi, ils vont dans les bars, dans les marchés pour collecter les fonds. Donc, ce qu'ils reçoivent en retour, comme il a dit, c'est pas vraiment beaucoup. C'est ce qui, donc, vraiment, il faut aider les gens, sensibiliser, il faut être bien éduqué pour qu'au moins, on s'en sorte de nos poubelles et de nos maladies. Merci. Merci à vous. À bientôt.
Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô, Gigi. Oui, allô, bonsoir, frère. Allô? Allô, est-ce que vous m'attendez? Bonsoir. Bonsoir. Oui, allô? Oui, on vous écoute, frère. Ok, mon frère Dédé, je voulais un peu participer à l'émission et donner quelques détails. Voilà, suite à quelques auditeurs que j'ai entendu parler, qui parlaient de soi-disant payer des impôts en Côte d'Ivoire. Monsieur Dédé, quand moi j'appelle chaque fois, je vous dis que pour tuer le serpent, il faut couper la tête. En plus, tu cherches la queue pour enlever. Voilà. La Côte d'Ivoire, depuis l'an 2000, moi je peux, passe pas trop loin, depuis la session de M. Laurent Gbagbo au pouvoir, tous les groupes de sociétés françaises, tous les groupes de sociétés russes, américains, quoi, en Côte d'Ivoire payent les impôts. Normalement, payer les impôts plutôt normalement. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est ce qui a énervé les groupes comme Bolloré à se retourner contre Laurent Gbagbo, à aller manigasser avec Nicolas Sarkozy pour venir enlever Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il y a des gens qui parlaient d'impôts, que nous-mêmes on ne paye pas impôts, on ne respecte pas impôts. Il y avait quelqu'un qui respectait la constitution ivoirienne, qui était M. Laurent Gbagbo. Il est quitté au pouvoir par une sorte de piétiner la constitution ivoirienne qui avec la Cour constitutionnelle qui devait proclamer les résultats, et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas tenu compte même d'une constitution de la constitution d'un pays. Eux, chez eux, là-bas, comme les autres l'ont dit, c'est qu'il faut venir en France pour voir clair un peu. Et ici en France, on paye les impôts. Quand ils parlent, même, ils ne savent pas, ils disent quoi, quoi. Quand ils parlent, ils ne savent pas, ils disent quoi. C'est la même France là, qui quitte là-bas pour venir pétiner une constitution ici. Accompagné de notre frère. Et quand ils se plaignent à faire d'impôts là, celui-là qui est là, il n'est pas venu dans la droiture. Hein? Et de deux, il s'en fout d'affaire d'impôts. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a appelé sur les pour dire que les policiers ne sont pas assurés. La route aussi, comme on appelle, les routes sont gâtées. Mais je suis en train de détailler un peu pour dire que hier, Alain Le Bognon, de leur candidat, il disait comme ça que si on vous donne l'argent, prenez et bouffez, c'est votre argent. Parce que, est-ce que vous savez que c'est le ministre de l'Intérieur qui vote les budgets? Donc, ce monsieur qui va être maire ici à Bobo aujourd'hui était ministre de l'Intérieur. Si ils ont chassé, comment on appelle, monsieur Benjo qui était maire au plateau, soit disant qu'il a donné de l'argent. Donc, lui-même qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, qui devait voter les budgets de la mairie, s'il a partagé l'argent de la mairie à monsieur Adama Toungara, qui n'a rien fait à Bobo. Donc, Adama Toungara aussi doit rendre compte. Parce qu'il est au courant de quelque chose. Comme c'est la même classe politique, il vient s'asseoir aujourd'hui. Donc, la corruption là, c'est la corruption qui est là. C'est la mauvaise manière de gouverner qui est là. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans un problème. Il faut enlever ceux qui sont à jouer avec les Ivoiriens. Parce qu'il y a un auditeur qui a appelé là tout à l'heure pour dire que il y a des gens qui sont assis en France. Ils ne savent pas comment la crise a commencé, que non. Quand ça a commencé, les gars. Mon frère, je vais lui dire que la plupart des gens qui appellent disent qu'ils sont en France et puis ils font les discours guerriers là. Peut-être lui, il pense qu'ils sont en France. Sinon, moi qui chante parler, je suis à Abidjan. Je vais au village matin, midi, soir. Mais je te dis qu'ici en Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ici là, ils sont tellement divisés. Que c'est que lui, il pense que, hein, que c'est les gens qui disent ça depuis la diaspora, là. C'est ici, là, même, là, c'est bien fort. Parce que la vérité, il faut dire dans la bouche un jour.
des accouches toujours. Les gens ici en Côte d'Ivoire ont gros sur le cœur. Que comment un Akossi Bengio, qui est l'enfant du pays, qui est l'enfant de la commune, sous prétexte qu'il a détenu l'argent, tout le monde voit clairement que Akossi Bengio, il a soutenu Bédié, voilà pourquoi il l'a enlevé, pour venir mettre Fabrice Aouignon à son meeting. Sa maman est venue sur le podium, Fabrice Aouignon, pour dire que son fils est béninois de père et de mère. Et de mère. En Côte d'Ivoire, on dit de ne pas donner ses prétextes, mais on dit quand même là, ton papa et ta maman. Ton papa, c'est la constitution qui demande ça. Vous parlez d'impôts, vous parlez d'impôts, vous parlez de corruption, vous parlez de temps. Mais regardez un peu ce qui se passe un peu en Côte d'Ivoire. Là, demande, on n'a pas dit Fabrice Aouignon, on veut l'écarter des affaires, il va écarter. Même les. Mais il y a une petite, je crois, une phrase qui dit dans la constitution qu'il faut des pères et des mères. Pour à une magistrature suprême. Mais il faut respecter ça. Vous chassez Bengio, vous amenez quelqu'un même, sa maman vient sur le podium hier pour dire que j'étais venu me chercher à Abidjan, j'ai dit à mon enfant, soulève ma tête en haut. Regarde-moi tout ce discours-là. Et puis, on va passer à quoi? Donc, pourquoi les gens vont rester en France là-bas pour dire que non? S'ils ont peur, ils n'ont qu'à dire qu'ils ont peur. Mais Côte d'Ivoire, qui est Côte d'Ivoire actuellement là, ce qui se passe là, ça fait peur. Faut pas qu'on mentir à l'air, pardon. Lui-même qui a dit que non, faut pas les gens vont faire discours guérir. C'est lui qui doit appeler ses. Ok, nous vous remercions, frère. Parce que moi, j'ai attendu dans la bouche des grands. J'ai attendu dans la bouche des grands types. Ils sont été dit, eux-mêmes ils vont préparer. Ils sont été préparés. Je t'attends très bien. Ils sont été préparés leur visa. Ils sont été préparés. Ils vont pas se blaguer. On voit aujourd'hui. Henri Cora Bédé qui fait un discours en langue pour lui. Il paraît quelque chose d'encore plus grand. C'est mieux que ça soit sur la langue. Ok, on vous remercie, frère. Bon, vous savez, il se fait déjà tard. Nous allons interrompre le direct pour pouvoir continuer demain. Il se fait déjà tard, je ne peux plus continuer. Je suis fatigué, je sais aussi que vous êtes fatigué et qu'aussi demain, c'est un jour pour aller là où on peut aller. Demain est quand même lundi et tout ça. Donc, je vous remercie infiniment. Passez une très bonne nuit, prenez bien soin de vous et que voilà, le bonheur et toutes les bontés soient avec vous. C'était les partenaires qui a complété tout terrain. On est ensemble. Ciao, ciao. Ouais.